Du coup, je vous dis bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je serai accompagné toujours de... Et moi, c'est... J'ai vraiment envie de les utiliser, donc voilà. Ce soir, on va parler de la santé mentale et physique des artistes. Alors, c'est un sujet hyper vaste. On promet pas de réussir à tout couvrir. Et puis, on va surtout parler avec nos connaissances à nous, qui ont malgré tout leurs limites aussi. Mais au fur et à mesure des années, personnellement, j'ai mis quelques outils en place. J'ai essayé de comprendre pourquoi parfois je me ressentais dans certains états d'esprit et parfois pourquoi j'avais mal à certains endroits de mon corps. Et tout est toujours en relation avec la production artistique. Finalement, même si on n'encourt pas des dangers physiques, dans notre métier, on encourt quelques petites problématiques, le poignet, le dos, qui peuvent survenir évidemment. Et plus essentiellement, ça se passe dans la tête. Yari, du coup, je vais te reposer la question, puisqu'on repart à zéro sur ces échanges. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà eu quelques soucis physiques ou mentaux? On va parcourir tout ça par chapitrage, évidemment. Enfin, chapitrage, on a une liste de sujets qu'on aimerait couvrir. On va commencer par la santé mentale et ensuite physique. Là, on fait juste un petit état de lieu. Toi, Yari, du coup, comment ça va? Ça va, en général, ça va bien. Du coup, si j'ai déjà eu des... Enfin, je me sens des différences physiques avec le boulot. Le fait que je reste assis toute la journée devant un écran, au niveau de la cardio, j'ai beaucoup moins de cardio qu'avant, et au niveau du fait que je prenne de la graisse beaucoup plus facilement aussi, et du coup je contrebalance avec la salle quoi, et je fais beaucoup plus de sport quoi, mais je sens que c'est un truc où je dois lutter en fait. Et au niveau mental, c'est le fait de rester seul devant un écran toute la journée, ça pèse un peu quand même. C'est le fait de... Enfin, il y a la solitude et il y a le fait d'avoir envie d'aller à l'aventure dehors et d'être obligé de rester à l'intérieur devant l'écran, c'est vraiment compliqué en fait. Surtout quand on est jeune, genre à 23 ans, normalement, t'es pas censé être devant un écran ou dans un bureau. Enfin, moi je trouve en tout cas, t'entends souvent dans toutes les histoires qu'on raconte, genre le mythe du héros, même de Scott Campbell, je sais plus comment c'était quoi son prénom, un jeune homme, il va aller à l'aventure pour découvrir qui il est, pour se forger, et là, avec la société dans laquelle on est maintenant, on peut pas vraiment faire ça autant, et du coup, c'est un peu, enfin, moi j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose quand même souvent, de pas pouvoir voyager en fait. Ok, c'est large du coup. Ouais. là on peut définitivement classer ça finalement dans santé mentale, c'est ce besoin d'aller au-delà de notre poste, de notre poste de travail. Après c'est vrai, on n'est pas dehors, par contre en tout cas pour toi et pour moi et pour certains autres artistes qui sont amenés à travailler dans ces secteurs-là, on est indirectement amené un peu à voyager au travers de nos créations. Mais après c'est pas le seul lot de consolation évidemment, l'envie de voyager il faut l'assouvir, on en parle de temps en temps toi et moi Yari. Toi t'as d'ailleurs planifié un chouette voyage, est-ce que tu veux nous en parler? J'ai trop hâte, je vais partir en Islande 10 jours, je fais un road trip autour de l'Islande en mai, du coup je suis impatient. Eh bien écoute, moi je suis impatient de voir les images que tu vas nous ramener et puis et tu nous diras à ce moment-là, on fera un petit bilan dans 6 mois, je crois que c'est plus ou moins ça. C'est quoi, c'est en mai, c'est ça hein? Ouais, c'est dans 4 mois. Voilà, c'est encore plus tôt que prévu. Ça te paraît long. Ça te paraît long, évidemment. 4 mois, c'est à la fois... je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent sur le chat, donc bonjour, poil aux oreilles. Pas mal, j'aime bien. Et salut Mao Morniti. Et puis salut à tous les autres qui sont là aussi. Et qui se font encore un peu discrets. Bonsoir. L'île d'Islande, ça le voyage, je vais y venir dans le chapitre vacances, dans le sujet vacances de notre liste, parce que je pense que c'est hyper important. On a tendance à sous-estimer le besoin de prendre des breaks. Moi personnellement, j'en prends pas mal. Yari peut en témoigner.
Les gens de mon équipe peuvent en témoigner. Alors forcément, j'ai souvent droit à des réflexions, à des remarques sur le fait que je pars beaucoup et que je suis souvent en vacances. Mais j'estime que c'est nécessaire, tout simplement. Sinon, moi, personnellement, je suis pas en mesure de créer les meilleures choses, en fait, tout simplement. Me sentir surbonné quand je travaille, je pense pas que ce soit hyper sain, même si y a toujours cette politique du travail à 200% et de jamais s'arrêter. Bah, moi, personnellement, je suis pas d'accord. Je trouve que je suis personnellement beaucoup plus efficace à chaque fois que je reviens de vacances, au contraire, parce que potentiellement j'ai vu des nouvelles choses, ou tout simplement j'ai pu reposer mon cerveau, arrêter de dessiner ou de travailler et de penser à tout ça. Que ce soit pour la vie d'entreprise ou de freelance, hein, le problème est exactement le même, si ce n'est plus quand on est 100% freelance, parce qu'il y a encore d'autres charges sur nos épaules, et donc voilà, on n'a pas forcément envie de s'arrêter là-dedans. Mais je pense que dans votre facturation, bon, on va pas parler de salaire ici, mais que quand vous êtes en train de facturer, etc., il faut penser aussi ce que vont coûter vos vacances et comment les intégrer dedans, puisque finalement le salaire, ce n'est jamais que notre propre coût de la vie et tout ce qu'on veut y intégrer dedans, et puis couper ça en contrat tout le long de l'année pour pouvoir subvenir à ses différents besoins. Donc c'est évidemment payer ses factures quelconques, se faire plaisir et les vacances. Je vois que poil aux oreilles est un... C'est Lionel en fait, un ancien prof de mon école. Du coup, salut Lionel. Ah voilà, spécialement pour toi, petite dédicace. Ouais. voilà, donc là, on a parlé, pour faire une petite introduction sur le côté du coup santé, et donc, comme je disais, on va commencer par la santé mentale. On a un petit listing ici que j'ai entre les mains, et on va commencer par le premier, sur lequel moi j'ai été sujet à de nombreuses reprises, et j'imagine évidemment qu'on n'est pas le seul, parce qu'en fait, 62 à 70% des gens l'ont au moins expérimenté une fois dans leur vie, et donc c'est pas seulement... dans le milieu artistique, mais évidemment dans le milieu artistique j'ai l'impression que c'est presque un rite de passage, c'est le syndrome de l'imposteur. Du coup, Yari, est-ce que toi tu l'as déjà expérimenté alors que tu viens de tout juste commencer? Pas trop, je trouve que ça va, j'ai pas l'impression de ne pas être à ma place complètement, tu vois. J'ai toujours l'impression de devoir être bon et de devoir être à la hauteur, mais je ressens pas le fait d'être un imposteur, en fait. Mais toi, j'ai l'impression que tu l'as déjà ressenti. Ouais, moi je l'ai ressenti à plusieurs reprises pour différentes raisons. Alors quand on était en off et qu'il y a eu notre petite coupure au lancement, je disais justement à Eric que moi, un des premiers syndrome que j'ai reçu, tout ressenti, c'est quand j'apprenais une nouvelle technique et que je venais l'appliquer directement dans mon travail professionnel. J'estimais que j'étais pas assez à niveau pour utiliser cette technique, quelle qu'elle soit. Et au final, bon, je le faisais quand même parce que j'en avais besoin, mais je sais pas, disons qu'à la sortie du travail, une fois que le projet était remis, je me dis, j'aurais pu faire tellement mieux si j'avais été vraiment meilleur. Et du coup, ce pourquoi je suis félicité dans mon travail, j'estime personnellement que ce n'est pas... Je ne mérite pas ces éloges, on va pas. Le mot éloge est un peu fort, mais en tout cas, les compliments que le client pouvait me faire. Voilà, donc ça, c'était une des premières fois. Et sinon, tout le long du parcours, en fait, à chaque fois que j'arrivais à obtenir un poste, que j'arrivais à travailler pour un sujet, pour une société, je pense, ne serait-ce que le tout premier job que j'ai eu en tant que maître painter pour... le domaine du spectacle. Donc on est venu me chercher, j'étais encore aux études, j'ai évidemment été flatté qu'on me retienne, et puis je vous avais raconté un petit peu cette histoire dans un précédent épisode où j'ai fait un art test, j'avais proposé un stage, et puis à l'issue de ce stage finalement j'ai eu un job. Donc tout ça c'est super bien goupillé, j'y ai été au culot. Pourtant les premiers mois je dois quand même avouer que je me sentais pas à ma place, parce que je ne savais rien en fait. Alors j'avais été transparent évidemment avec le client que le made painting c'était pas mon truc initialement, moi c'était vraiment le painting, speed painting, et en plus pour rajouter la petite cerise sur le gâteau, je commençais tout simplement quoi, même le painting quoi. Et donc ça a été vraiment difficile, une lutte à chaque nouvelle création en fait, à chaque nouvelle commande, de pas me sentir à ma place. Alors salut Pépito. Pépito, oui, le bûcheron, ça. J'adore, c'est trop bien, ils ont des pseudos excellents. À fond.
Du coup, voilà. Donc toi, tu l'as pas vécu. Moi, je l'ai vécu. Pas trop. Ouais. Pas trop. Mais ça, est-ce que tu penses que ça pourrait t'arriver? Et si oui, sans que ça ne te soit arrivé aujourd'hui. Hein. Mais quels éléments pourraient déclencher cette chose chez toi, ce comportement? Ouf. C'est une très bonne question. C'est très vaste, hein, ouais. Je sais bien. Ouais, ouais. Franchement, je sais pas trop. Là, peut-être que ça va venir plus tard, mais là, pour l'instant, sur le coup, là, je sais pas trop. Je saurais pas trop dire. J'y réfléchisse un peu plus. Ça va. Mais il n'y a pas de souci, hein, de toute façon. Et au niveau du chat, alors, on va peut-être avoir un petit décalage. Donc, si vous y revenez plus tard et que vous nous répondez plus tard, il n'y a pas de souci. Si ça n'interrompt pas trop ce dont on est en train de parler, eh bien, je reprendrai au volet. Mais donc, si vous avez aussi des histoires de syndrome de l'imposteur que vous vivez aujourd'hui, que vous avez vécu, eh bien, on serait curieux de, en quelques lignes, connaître aussi un peu votre histoire et voir si on peut potentiellement rebondir dessus et comment vous y avez fait face surtout. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit, la plupart des gens qui vont nous écouter aujourd'hui, ils l'ont probablement déjà vécu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou vont peut-être l'avoir dans le courant de leur carrière. Parce que c'est le... Enfin, comme je disais, j'en ai parlé pour la technique, j'en ai parlé pour mon premier job, mais si ça se trouve, je sais pas, dans 5 ans, j'ai un nouveau job, j'ai encore un nouveau challenge auquel je dois faire face et auquel je me sens en fait pas légitime. Parce que je sais pas, mettons que j'ai pas les compétences, peut-être que dans 5 ans, on m'offre l'opportunité d'être directeur artistique sur une très grosse production, soit dans le même studio où je suis aujourd'hui, ou dans un futur studio, et je pourrais très bien, tout le long de l'acquisition de ce poste, de me dire, ben, soit je le prends pas, parce que je me sens pas légitime, alors que j'aurai 15 ans de carrière derrière moi, ou alors je vais le prendre, et tout le long, je vais avoir l'impression que toutes les remarques qu'on va me faire, sont peut-être attribués à mon manque de compétences, alors que c'est peut-être, je sais pas, un manque de gestion, un manque de compréhension dans l'équipe. Donc il peut vraiment y avoir beaucoup de paramètres. Après, pour y faire face, ben évidemment, il faut pas fermer les yeux, faut pas se mettre des œillères, dès qu'on le ressent, il faut essayer d'en discuter autour de soi et de se faire une analyse, je pense, honnête de son travail, quoi. En tout cas, voilà pour le syndrome de l'imposteur. Donc c'est pas des sujets très drôles, hein, évidemment, parce que le syndrome de l'imposteur, il peut amener à certaines choses, à certains comportements. Et l'un de ces comportements, c'est le fait de compenser en travaillant de trop. Ah, je vois qu'il y a, avant d'enchaîner, du coup, je vais lire ce qu'il y a écrit sur le chat. Alors, oh ben on l'a toujours un peu, hein, il y a tellement de bons artistes partout. Après, ma technique, c'est d'essayer de le mettre sous le tapis. Je doute toujours un peu au début du projet. Ah ben voilà, moi je disais un peu l'inverse, du coup, de pas de se mettre des œillères. Mais effectivement, par contre, comme tu le dis là, Mao, ben, ouais, par contre, il y a moyen quand même d'y faire face. C'est de mettre ça un peu de côté et quand même de foncer. Ça, par contre, c'est très très sain. Ouais, moi je suis un peu plus de cette philosophie-là aussi, je pense. J'ai l'impression que c'est très dans le mental et il suffit de changer de perspective et de changer de point de vue et directement ça passe, quoi. Non, mais je comprends. Je pense que ça, c'est à chacun de trouver sa méthode, mais surtout, c'est d'aller donc de l'avant, quelle qu'elle soit la méthode, c'est de se dire ça va passer de toute façon, ouais. Et on va encore ressentir tout ça. Alors du coup, j'allais passer au fait que bah, du coup, tout ça, ça peut amener au fait de compenser en travaillant de trop. Et ça, je pense que c'est toi qui l'as écrit dans notre liste, Yari. T'es sûr? Je ne sais plus, je pense. C'est possible. ouais, je pense que compenser en travaillant trop, ce serait à cause du fait de pas se sentir à la hauteur, en fait. De se mettre vraiment trop la pression et de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Il faut que je mette les bouchées doubles et essayer d'être à la hauteur, alors que il y a, enfin, c'est toujours dans le mental aussi, quoi. Est-ce qu'on va s'améliorer vraiment en travaillant trop, ou est-ce qu'on va arriver au burn-out et au final faire plus de mal que de bien, quoi? Oui, je pense que ça, il y a malheureusement tout un enchaînement, et c'est pour ça que je parlais de problèmes mentaux, parce que finalement, ben oui, on exerce une, au-delà du fait de savoir dessiner, qui est déjà une pression immense, parce qu'on attend de nous pas mal de choses très distinctes, on a cette pression qu'on va se mettre soi-même à, eh bien, dans ce cas, il faut que je performe davantage. Performer davantage, ben, tu viens de le dire, ça peut mener au burn-out, parce que, eh bien, on va pas se laisser de répit,
Et pourtant, je le disais au tout début, eh bien, prendre des vacances, prendre du répit, c'est vital, puisque c'est à ces moments-là que ben, le cerveau il va commencer à processer un petit peu tout ce qu'on a révisé, tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a appris, et d'essayer de faire travailler ce muscle de la mémoire. Et puis, une fois un jour ou l'autre, on va se retrouver devant sa machine, devant son travail, et puis ça va être limpide. Et en fait, c'est un processus lent qui prend du temps, mais pour ça, il faut vraiment un temps de repos. Un temps de repos qui peut être au niveau du sommeil. On a écouté avec Yari un extrêmement bon podcast qui était de Joe Rogan. Alors le scientifique qui était avec lui, je ne l'ai pas, je ne sais pas si tu l'as sous la main. C'était Matthew... Attends, il faut que je regarde. Il n'y a pas de souci. On est en live, on a le temps. Matthew Walker. Voilà. Matthew Walker, un expert du sommeil, il a écrit un livre d'ailleurs justement sur pourquoi on dort en fait, ça s'appelle. Ouais. Et du coup dans ce podcast, bah, évidemment, il parlait de beaucoup d'éléments qui doivent être présents dans son livre, mais à quel point c'est extrêmement important. Alors bon, entreprendre des vacances et dormir, c'est quand même deux choses distinctes, mais ceci dit, dans le fait de travailler beaucoup de trop, et moi je l'ai vécu, on peut se retrouver rapidement dans une routine de vie qui est très loin d'être saine, où bah, par exemple moi l'inspiration elle me vient souvent la nuit, vraiment entre 11h et 3h du matin, j'ai mon cerveau qui boue et c'est au moment où je peux le moins dessiner que je vais avoir envie de le faire. Alors bah, quand j'avais ton âge et que j'étais un peu plus jeune et jusqu'à encore pas si longtemps, eh bien j'allais me retrouver à dessiner dans ces heures-là constamment. Et évidemment bah, tu te retrouves très très décalé parce que si tu dessines jusqu'à 3h du matin, alors oui c'est extrêmement... je sais pas, on se retrouve un petit peu comme dans un état second. Enfin, moi, quand je dessine vraiment dans mes meilleures phases, c'est pas tout le temps, mais je suis un peu en transe, comme qui dirait, en transe. Je sais pas si t'as ça aussi, de temps en temps. Est-ce que tu te sens à un moment où tu vois que le temps, il passe extrêmement vite comme ça, Harry? Bah non, c'est triste. C'est un peu triste, mais non, pas vraiment. Enfin, parfois, mais c'est très rare, mais c'est genre une heure qui passe comme ça, mais... Après, je me rends compte et je suis directement en dehors de cet état d'esprit-là, quoi. Si je l'ai, cet état d'esprit-là, je ne l'ai pas longtemps, en fait. Ok, mais alors peut-être qu'il faut que tu te mettes à 11h du soir. Tu vas pas te coucher, tu vas dessiner. Mais blague à part, oui, effectivement. Mais je pense que ça vient aussi avec le temps et puis chacun son ressenti face à la création, tout simplement. Fact intéressant, par exemple, j'avais appris ça il y a pas si longtemps. Ça, je sais pas si tu savais, Yari, mais... apparemment, on ne penserait pas tous de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont penser avec des mots. Enfin, moi, quand j'ai une pensée, je me parle à moi-même, si tu veux. Et j'ai toujours eu l'impression que tout le monde pensait de cette manière-là. Et dernièrement, j'ai appris qu'il y avait des gens qui pensaient en images et en mots. Enfin, en images ou par liaison d'idées, mais ça ne va pas être une phrase dans leur tête. Avant de commencer à avoir l'acte de la parole ou de faire quelque chose, ils ne vont pas avoir le fait de se parler, tout simplement. Comme on voit dans tous les films, t'as la petite voix dans ta tête qui est en train de discuter avec toi. J'ai toujours l'impression que tout le monde pensait comme ça, mais en fait, c'est visiblement pas le cas. Ouais. Toi, tu penses comment ? Vas-y. Explore notre conscience ce soir. Ouais, non, c'est pas vraiment par image que je pense, mais c'est les mots et le ressenti. Je sais pas, c'est un genre de logique qui se passe dans ma tête par rapport à des... pas des émotions, mais par rapport à un... comme un... ça paraît bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression de comprendre comment les systèmes fonctionnent, et c'est une genre de logique qui se passe dans ma tête, et c'est pas forcément avec des mots, en fait. Je sais pas si tu comprends. Je crois voir, parce qu'effectivement, si on parle de la même chose, puisqu'on ne sait pas mettre deux mots dessus, il y a un moment, il y a des choses qui s'assemblent dans ta tête, et effectivement, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de visuel, c'est un contexte, et tu vas réussir à assembler des idées les unes avec les autres, qui sont toutes abstraites, pour donner quelque chose de figuratif. Et ça, c'est typiquement le processus de création en concept design, en fait, tout simplement. Quoi. Ouais. Alors, je vais lire un peu le chat. Alors, Pépito le bûcheron nous dit que personnellement, il accepte difficilement les compliments sur son travail, parce qu'il a l'impression de ne pas les mériter. Enfin, c'est vrai que ça, c'est pas évident d'accepter la critique, qu'elle soit positive
ou négative. Et au contraire, si on est un peu plus dans ton cas de figure, Pépito, je pense que, si tu es comme moi, au contraire, tu vas plus facilement accepter la critique parce que tu vas te dire, oui, je mérite d'être flagellé. Je mérite qu'on me dise que ça va pas, parce qu'au moins tu en tires quelque chose de bénéfique. Tu vas te dire, je sais que je dois travailler sur ces éléments que les gens critiquent. Par contre, quand on te donne quelque chose de positif, t'as peur peut-être de stagner. Je sais pas si c'est un petit peu cette Team Yari. Oh là là, vous êtes vache avec moi, les gars. Salut Slowbait. Salut Slowbait. Certainement c'est quelqu'un que je connais, mais je sais pas. Ah moi je vois bien c'est qui. C'est Monsieur Simon. Ah, salut Simon. Ouais. Bah, écoute, tu vas venir, qu'est-ce que tu vois. Ah bah certainement, maintenant t'as tout le temps devant toi pour me rattraper et ça se figure dans la bonne direction. Et Poil aux oreilles, qu'est-ce qu'il nous dit? Attends, excuse-moi. Ouais. Il y a longtemps cru, vraiment perso, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un syndrome que beaucoup, tout le monde a. Ah oui, de prendre pour soi le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur, de penser être dans cette situation-là. Bah ouais. C'est vraiment que quand des gens comme nous, là, maintenant, on en parle, que des gens en parlent dans des vidéos, qu'on conscientise les gens que ça existe, qu'on se sent un peu moins seul, et puis on arrive à aller de l'avant. C'est pour ça qu'on voulait en parler ce soir, d'ailleurs. Et je te redonne la parole, Yari. Bah, je suis totalement d'accord avec Pépito le bûcheron qui a du mal à accepter les compliments. Moi aussi, j'arrive pas à accepter les compliments sur mon travail en fait. Je vois à chaque fois les défauts, mais je vois pas. J'ai l'impression que c'est jamais totalement vrai ce qu'on dit de positif sur mon travail et que c'est tout relatif comme ça. Donc, tu viens de comprendre tout ce que je te disais depuis un moment, voilà, c'était ouais. Faux, je suis désolé, ouais. Yari, c'est... ouais. On va se mettre à pleurer. Non, t'inquiète, je suis toujours préparé à ça. Écoute, tu sais ce qu'on dit quand c'est comme ça, il faut qu'on trinque au mensonge, il faut qu'on ramène... Yes. Yes. Je suis d'accord. Boire pour oublier. Donc le fait de travailler, je reviens un petit peu en arrière, on va essayer d'avancer un petit peu dans notre petit podcast. Donc syndrome de la potseur, c'est la merde, mais on y passe tous. Concernant le fait de trop travailler, ça amène donc au burn-out. Le burn-out, c'est très compliqué, parce que lui, il peut survenir parmi beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que t'as déjà ressenti ce que ça pouvait être, le burn-out? Parce que t'en as certainement entendu beaucoup parler. On y est sensible de plus en plus, ces 10 dernières années, même certainement davantage. Mais moi, c'est surtout ces 10 dernières années que les gens en parlent de façon plus débridée et surtout que c'est reconnu, en fait, comme un problème et que ça peut être traité, quoi. Je sais pas si j'ai eu un burn-out ou mais je crois que j'étais proche quand j'étais en bachelier en illustration où des fois je me mettais trop la pression et je faisais des projets. En fait, on avait un sujet, on devait créer souvent une histoire et je faisais des histoires super complexes, enfin beaucoup trop complexes, et du coup je devais créer beaucoup trop d'images dans le temps imparti. Du coup, des fois je devais créer une image par jour. Mais des fois des trucs vraiment vraiment durs à faire, donc c'était 10 heures par jour et c'était vraiment dur, je me mettais la pression, j'étais tout le temps en stress et je pense que j'étais pas loin du burn-out et depuis j'ai vraiment du mal à me remettre à dessiner pour le plaisir de mon côté en fait. Ouais, je comprends, mais moi burn-out j'ai eu aussi, mais pas à cause de trop de travail. C'est à cause de pas me sentir à ma place. Ça j'en avais aussi un peu parlé, mais donc il y a un moment donné je me suis retrouvé dans mon projet de société Curious Craft, donc studio de développement de jeux vidéo indé, qui s'est crashé, donc on n'arrivait plus à s'entendre entre les membres de l'équipe et j'ai tout de suite repris embrayé avec un des clients que nous avions et je suis devenu directeur créatif chez eux. Sauf que ce boulot de directeur créatif, il embarquait vraiment beaucoup de choses, certainement beaucoup de trop. J'étais autant directeur créatif que exécutant. Donc un coup, j'allais voir les clients et imaginer un projet avec le reste de l'équipe, dans les budgets qui étaient alloués entre le client et la boîte avec laquelle je travaillais. Et puis d'un autre côté, de temps en temps, je devais aussi créer des assets visuels,
pour du motion design et plein de trucs très différents. Donc c'était vraiment beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, et donc ça créait des journées... elles étaient correctes, hein, on est donc resté fermé dans des cadrans de 8-9 heures, mais elles étaient tellement denses que tu n'avais pas le temps à la réflexion et à produire des idées intéressantes. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième, c'était de plus dessiner. Et ça, au fur et à mesure que j'ai bossé avec eux, bah, je me suis rendu compte que moi, ça me posait vraiment un très très gros problème parce que je ne faisais pas ce que je voulais. Donc ça, c'est aussi un... De ne pas se sentir à sa place, c'est aussi un facteur de burn-out. C'est pas juste la quantité de travail. C'est un moment où on va réfléchir tellement et on va tellement se sentir bloqué dans une situation où il faut absolument un boulot parce qu'il faut payer les factures, qu'une fois qu'on est enfermé dans ce contexte-là, c'est vraiment très 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 difficile d'en sortir et de trouver une issue parce qu'on a l'impression que... personnellement, j'ai l'impression que j'avais manqué d'argent, etc. On va y venir un peu plus loin, c'est aussi un autre sujet. Et donc le fait de pas dessiner, le fait d'avoir des responsabilités importantes, le fait de faire trop de choses très différentes, eh bien au bout d'un moment, voilà, ça a duré 9 à 10 mois je crois, pour travailler pour eux, eh bien à ce moment-là je l'avais pas analysé de cette manière-là. Je regardais beaucoup de vidéos de voyage, et justement ça me fait sourire quand tu parles de ton voyage, parce que je sais pas si c'est la même chose qui t'a motivé à le faire toi, ou le fait qu'on ait parlé un petit peu de voyage aussi. Je me rappelle que il n'y a pas si longtemps que ça, je te parlais d'Asie, à quel point ça m'avait changé d'être parti en Asie, etc. Je sais pas si ça a été un des facteurs, ou si c'est aussi le fait d'avoir regardé des vidéos. On peut en parler là, si tu veux. C'est le fait que j'ai pas voyagé depuis 2 ans, et j'ai vraiment je ressens en moi ce besoin d'aventure, d'aller découvrir des choses nouvelles, de mettre des challenges, et ouais, maintenant que j'ai mon salaire, ben je peux me le permettre quoi de bouger. Donc j'ai vraiment, ça fait super longtemps en plus que je veux aller en Islande. Donc je me suis dit c'est bon quoi. J'en ai marre d'attendre, j'y vais. Ouais, c'est très très bien. Ça, c'est le fait de passer à l'acte. En tout cas moi, voilà, par rapport à toi là, tu le penses, t'as le salaire, tu sais que tu peux y aller, mais le boulot dans lequel tu te trouves aussi. Te convient, tu vois, du coup ça crée une bonne rythmique entre l'argent qui rentre, le travail qui est plaisant, et puis le fait d'avoir des activités. Moi là j'avais l'argent, j'étais vraiment payé de la grosse caillasse, mais j'avais pas l'activité qui me plaisait, et il y a un moment, donc au bout de 9 mois, je me suis dit je peux plus, je savais pas que c'était vraiment le burn-out, mais je me dis je peux plus, et puis je regardais donc toutes ces vidéos de voyage, et puis c'est une anecdote marrante, parce que peut-être que la personne concerné se souviendra de ça. Donc Arnaud, c'est un ami proche qui est venu au Drink and Draw aussi, etc. Et cette personne est allée s'installer en Malaisie, si vous voulez, et on s'était loupé pour les fêtes. Il était venu en Belgique, j'ai pas pu le voir, et je me suis dit bah écoute, c'est pas grave, je vais venir te voir toi, c'est moi qui vais venir en Malaisie te voir quoi. Et puis en seulement l'espace d'un mois, j'étais tellement fasciné par l'idée de partir en Asie, mon boulot, j'en avais plus rien à faire, j'avais plus que la tête là-dedans, j'avais retrouvé une raison d'avancer, une raison de faire quelque chose, et bien j'ai planifié tout un voyage en Asie, et je suis parti 5-6 mois, et tout le long de ces 5-6 mois, j'ai eu le temps de lire plein de choses, de livres sur la construction personnelle, le développement personnel plutôt, et tous ces articles, et toutes ces choses que je lisais, ben, je me rendais compte qu'en fait, j'étais en plein dans un syndrome de déni, et de dépression, et de burn-out. En fait, j'avais tout laissé de côté. Le voyage, même s'il m'a beaucoup plu, c'était plus une échappatoire. Et donc, cet échappatoire m'a fait extrêmement beaucoup de bien. Et c'est pour ça que j'arrête pas de t'en parler, Yari, et que je vais vous en parler encore aujourd'hui. C'est le fait de voyager, de prendre du temps pour soi, parce qu'en fait, c'est extrêmement nécessaire. Avant ça, j'avais pas pris de repos, de congé depuis 4-5 ans, en fait. Oui, j'avais pris des petits breaks, mais c'est des breaks chez soi. C'est pas respirer le grand air et l'aventure, comme tu le disais. Yari. Ouais, je comprends. J'étais toujours un peu réticent aussi de voyager, parce que j'avais l'impression toujours de... Enfin, je me sentais mal de pas être productif pendant ce moment-là. Je me suis dit, je vais voyager, mais en attendant, sur le côté, il y a du travail que je fais pas, et je me sens un peu mal de ça, quoi. Alors que maintenant, j'ai un peu trouvé ce business de faire des packs photos en voyageant, et du coup, ça me donne une excuse aussi pour bouger. Et je me sens beaucoup moins mal aussi je sais, je vais pas dessiner pendant les 2 jours où je serai en Islande, et tant pis, c'est pas grave, quoi. Oui, c'est ça. Mais
Figure-toi que ce que tu viens de mentionner là, bah, je l'ai vécu dans le voyage. C'est-à-dire que oui, j'étais en Asie, c'était incroyable. Les trois premiers mois se sont passés vraiment sans aucune accroche. Enfin, en fait, rien ne s'est passé avec une accroche, mais au bout de 3-4 mois, j'ai vraiment une crise intérieure. Comme tu viens de le citer, bah, je me dis, bah, disons que comme j'avais vraiment tout raccroché avec cette forme de burn-out, j'ai complètement arrêté de dessiner. Quoi. J'ai pas cherché à faire quelque chose. Je me suis dit, je pars, je fais rien. Je pars, je profite du voyage et du monde et de ce qu'il a à m'offrir. Et donc, les premiers mois, c'était incroyable. Mais au bout de 3-4 mois, moi, je suis un peu un workaholic. J'adore travailler tout le temps. Alors, c'est pour ça que quand je prends des vacances, je prends des vraies vacances. Parce que le reste du temps, bah, je travaille du matin au soir, mais littéralement, parce qu'il y a le premier job. Et puis le soir, eh bien, on fait les choses comme ici, un podcast. Le podcast, c'est pas juste une soirée, c'est aussi faire les petites vidéos, c'est penser à tout ce qu'on va dire. Et donc, ça demande un peu de préparation. Et puis, encore d'autres choses. Et donc voilà, donc je travaille beaucoup, et là le fait d'avoir complètement arrêté de travailler, autant ça m'a fait du bien de certaines durées, autant à un moment donné pendant ce voyage, ben, j'en pouvais plus. Le voyage était tellement incroyable, mais il m'apportait plus la satisfaction parce que je ne travaillais plus, et je ne créais plus. Et comme toi, ben, du coup j'en suis arrivé à l'idée de me dire, ben, je stagne, ça va pas, j'arriverai pas à retrouver du travail en revenant, c'était illogique parce que j'avais quand même tout du background derrière, et en fait même ce voyage là, après, j'ai réussi à l'utiliser comme une force. Quand j'ai été engagé chez Apil, bah, une de mes forces, c'est de dire, bah, écoutez, une des raisons de m'engager, en plus d'être relativement correct en termes d'illustration, concept, etc., c'est que j'ai vu le monde et j'ai plein d'idées à apporter. Il y a plein de choses qui m'ont stimulé et c'est une force supplémentaire par rapport à d'autres. Et je pense que c'est des choses qu'on peut marchander, en fait. Même le fait d'avoir vécu plus d'expériences qu'un autre, c'est une valeur. Il faut savoir juste l'enrober, en fait, et savoir en parler. Ah, je suis tout à fait d'accord. Et il suffit de voir, hein, parmi les plus gros concept artistes, je sais pas les noms de tout le monde, mais je vais prendre Shadi Shafadi, par exemple. C'est quelqu'un qui adore voyager, il est toujours à droite à gauche. On avait, c'est pas le meilleur exemple, mais Noah Bradley, c'est pareil, il avait fait tout le tour du monde. Jonas De Roo, qui vient de Belgique aussi. Lui aussi, il a voyagé, il a fait le tour du monde. C'est un de ses projets, c'est de voir le plus de pays possible. Et quand on voit les travaux de ces différentes personnes, ben, on sent qu'elles ont été stimulées par le monde et par ce qu'elles ont vu, quoi. Et il y a une force productive, productrice supplémentaire, quoi. Quand on a été ensemble à Charleroi, hein, qu'on a été voir les usines, on a appris pas mal de choses et je pense qu'un jour on le réutilisera, ça, tu vois. Ouais, carrément. Oui, c'est vrai que ces usines, on en avait parlé la dernière fois, mais moi ça m'a laissé déjà un souvenir impérissable. Ou alors si c'est périssable, c'était un peu sale, c'était un peu pollué, mais. Ouais, cette sensation de grandeur, à chaque fois je dois parler ou présenter une notion d'usine, d'échelle, etc., je vais toujours parler de ces usines. J'y reviendrai toujours, ouais. Je pense. Donc voyager, bouger, ne pas travailler trop, mais savoir quand même quand on a ses limites, parce que même les vacances ont des limites finalement, surtout pour des créatifs qui ont ça dans le sang et qui ont besoin de créer un peu tout le temps finalement. Donc trop de pauses, c'est pas très bon non plus. Alors, on va aller voir notre petite liste, on va aller regarder ça. Dessiner sans arrêt, on vient d'en parler. Hein. Mais ceci dit, même si c'est toi, si c'était pas à cause du syndrome de l'imposteur, dessiner sans arrêt, est-ce que t'as eu une période où ça t'est arrivé en dehors de l'école, juste pour toi? Ouais, parce que... Quoi, j'avais pas forcément, surtout en bachelier, j'avais pas forcément toujours des sujets qui m'intéressaient à fond et qui me passionnaient, et des fois c'était vraiment des projets où je traînais les pieds pour le faire, quoi. Même si je travaillais tout le temps, c'était frustrant et c'était pas ce que je voulais faire forcément, donc du coup ça me motivait, moi, sur le côté, le soir et entre les projets, à vraiment dessiner les trucs que moi je voulais, quoi. Donc ça, au final, c'était une motivation. Et au début, j'avais dans la tête qu'il fallait dessiner absolument tous les jours. Vraiment tous les jours. Sinon, si je passais un jour sans dessiner, ben, j'allais perdre ce que j'avais appris. Et un jour, j'avais vu une interview, c'était Proko qui interviewait quelqu'un, je sais plus exactement qui, et qui disait que ben, c'était pas réaliste, en fait, de dessiner tous les jours. Et j'étais là, moi, j'étais un peu outré quand même. Mm-hmm. J'étais là, je comprenais pas. Et au final, ben, maintenant,
avec le temps qui est passé, ben, je comprends mieux que, ben, que c'est vrai que des fois c'est pas nécessaire de dessiner tous les jours. Je pense qu'au début ça l'est, mais à partir d'un moment ça l'est peut-être plus en fait. Non, mais il y a une règle qui revient tout le temps, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, alors j'ai plus le nom, mais c'est le fait des 80-20. Ça te dit quelque chose, 80-20? Ouais, ouais. Alors en fait, en gros, c'est ça s'applique à beaucoup de choses. C'est que au début, 80% de l'effort, ça va t'apporter 20% de résultats, et puis à un moment, ça, la tendance va s'inverser, 20% d'effort, ça va t'apporter 80% du résultat, et c'est là que tu dois décider si tu continues à te spécialiser dans un segment artistique, par exemple, ou alors tu vas te dire, bon, ben maintenant, pour moi, c'est suffisant, je vais passer à autre chose, et je vais plutôt faire en sorte d'être capable d'être meilleur dans beaucoup plus de choses. Ouais. Et du coup, pour le fait de travailler, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, ben, comme tu viens de le dire, au début, tu dessines vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment la phase d'apprentissage où t'as tout à apprendre, donc tout est nouveau, c'est difficile à faire rentrer, et puis au bout d'un moment, tout ça, tu le sais, c'est des sujets qui te parlent, c'est suffisant. Et tu peux juste entretenir cette compétence 20% de ton temps et puis passer 80% du temps plus à créer qu'à étudier, par exemple. T'inverses juste cette tendance-là, quoi. Ça, c'est effectivement une tendance que moi, j'ai pas mal connue. Et encore aujourd'hui, disons qu'avec les 20% que je connais de Blender, bah, ça me permet de faire 80% de mon travail. Typiquement, le penser comme ça. Et j'ai pas besoin d'approfondir davantage mes compétences, même si je le souhaite personnellement, mais je n'ai plus l'obligation de le faire, je sais déjà créer plein de choses avec ça. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Ok. Non. C'est très bien. Alors, on a Seb Exin qui nous dit « Excellent, l'Islande, j'y ai été 3 fois. » Bah oui. Ah bah, je suis okay. Jaloux. Bah, il est jaloux, moi je suis jaloux aussi. Hein. d'ailleurs, il faut en parler. Quand Yari m'a dit ça, il me dit, mais est-ce que je partirais pas 10 jours plus tôt que lui? Mais non, mais c'est quelque chose qui est très stimulant et ça me donne très envie aussi, hein. Évidemment. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, plutôt que de travailler sans arrêt, donc il y a le fait de dessiner sans arrêt. Et de pas faire une journée de 8 heures mais 10 ou 12. Alors sachez déjà, et je l'avais déjà dit aussi, mieux vaut 2 heures bien construites où tu sais exactement ce que tu vas faire plutôt que 10 heures où tu patauges, tu tapes des coups dans l'eau et finalement il n'y a rien qui rentre parce qu'il y a besoin de repos, mais il y a aussi besoin de d'être conscient, et ça bouffe énormément d'énergie, de concentration, et on peut pas avoir cette concentration là pendant 8 à 10 heures, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a des études qui montrent, par exemple, sur une journée de travail de 8 heures, on va être vraiment effectif que 4 heures, 4 heures et demie. Alors, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, c'est une moyenne, évidemment. J'ai pas l'impression que quand je fais une journée de 8 heures, je travaille que 4. Mais peut-être que le pic d'attention, il est vraiment que de 4 heures, et peut-être que c'est ces 4 heures-là, c'est peut-être les 4 premières heures de la journée. Eh bien, si on doit prendre notre exemple de concept artiste, c'est là où il faut générer les idées. Et puis les 4 heures qui suivent, c'est là où on va faire du rendu, parce que ça a besoin de moins de matière grise. C'est un peu brainless, on fait juste du rendu, comment on appelle ça ? C'est de la mémoire, quoi, tout simplement, la mémoire musculaire qui s'installe, et on sait ce qu'on doit faire, dans quelle étape. Ça demande moins de réflexion, on écoute un podcast, etc. Et là, on est peut-être ailleurs. Voilà. Alors, on va juste regarder lesquels. Alors, faut faire attention, actuellement, c'est 24 heures de nuit en Islande. Oui, il m'avait dit ça, Yari, quand il s'était informé sur l'Islande. Ça doit quand même être incroyable à voir, de se dire qu'on arrive dans un pays où il ne fait jamais jour, et à l'inverse, à d'autres moments de l'année, où il ne fait jamais nuit. Ça doit quand même être formidable. En juin, ça doit être perturbant, vraiment. Où il y a ces 24 heures de lumière, ça doit être trop bizarre. Mais je pense qu'au moins le vivre une fois, là encore une fois, pour le domaine de la création, c'est du pain béni de vivre ça une fois, quoi. Ouais, le vivre une fois, mais un jour ou deux. Ouais, évidemment. Mais genre, tu sais, 10 jours où tu vois pas la nuit, ça doit être vraiment perturbant. Un petit peu quand même, ouais. Donc je parlais de manager le temps, d'y penser intelligemment, parce qu'en fait, travailler trop longtemps, donc non seulement pour l'apprentissage, c'est pas ouf, mais il y a d'autres problèmes qui peuvent s'installer. Alors on a déjà parlé du burn-out, mais donc le fait de travailler trop
en dehors de tous les autres contextes dont j'ai parlé, ça peut être un des contextes de burn-out. Et un autre qui peut survenir, c'est des problèmes beaucoup plus problématiques, parce que si on parle du burn-out, eh bien on va pas revenir dessiner pendant plus longtemps, on n'aura plus envie de dessiner, comme moi je l'ai vécu. Et donc finalement la perte est beaucoup plus importante que de dessiner moins dans une journée. Une fois, c'est comme on va prendre un sport, on va se casser le bras. On fait de la boxe, on se casse le bras parce qu'on y a été beaucoup trop fort à l'entraînement. Eh bien t'as plus d'entraînement pendant longtemps et tu dois repartir de plus bas pour revenir à ton niveau et puis essayer de l'excéder. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et je parle du point en circonstance parce que chez nous, les artistes, il y a des maladies physiques. Alors j'y viendrai un peu plus tard, mais on a, là je vais juste le mentionner, on peut avoir des problèmes très importants au poignet du fait de dessiner trop souvent. Il y a le syndrome du canal carpien qui nous guette tout le long de notre vie. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont plus assujettis à ce problème que d'autres. J'ai pas été suffisamment loin que pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. Ceci dit, voilà, ça touche quand même beaucoup d'artistes et c'est très handicapant parce que ça va pas en s'améliorant. Et ça peut complètement stopper votre carrière. Et à partir du moment où notre carrière est basée sur le dessin et sur l'utilisation de notre main, enfin je dis dessin, mais évidemment on se dit podcast digital, ça peut être la 3D, ça peut être la vidéo, ça peut être le montage. On en parle moins parce que c'est pas notre secteur d'activité. On essaiera peut-être plus tard d'avoir des invités pour en parler. Mais il faut savoir que toute notre carrière elle est basée sur notre main et il faut en prendre extrêmement soin. Moi il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai conscience de tout ça. Parce que toi, on t'en a déjà parlé pendant les études, ou est-ce que tu t'es déjà renseigné là-dessus, Yari? On m'a jamais parlé pendant les études, mais c'était surtout pendant... avant, je faisais beaucoup d'interviews d'artistes, et il y en a beaucoup qui en parlaient, en fait. C'est là que j'ai appris le salicité. ouais, c'est ça. Bah, pareil. Je crois que c'est... Ben, c'est avec Illustration Motivation qu'on en avait parlé la toute première fois. Je crois que c'est Aurore qu'on avait parlé, et... Ça m'a fait poire, ok, il faut que je fasse attention. Et pour autant, j'avais pas mis d'exercice avant très récemment, parce que là, je commence à avoir vraiment des douleurs très persistantes. C'est pas le syndrome du canal carpien, mais peut-être que ça s'en rapproche, des tendinites à répétition, et c'est très pénible de travailler, quoi. Mais bon, ça, on va y venir dans le fait de parler des douleurs physiques, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter que ça se reproduise, quoi. Et donc, les choses que vous pouvez mettre en place pour travailler moins souvent. Moi, j'ai entendu parler et j'ai expérimenté la technique Pomodoro. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça, Yari? De nom, mais je me suis jamais intéressé, donc il faut que tu m'expliques. Ok. La technique Pomodoro, c'est le fait de se mettre un timer de 25 minutes pour une tâche sur laquelle on se concentre à 100%. C'est-à-dire que... Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand je travaille... j'essaye d'éviter un maximum de distractions, mais inévitablement, il y en a quand même. Aujourd'hui, même si on se coupe d'Internet, on va recevoir peut-être des notifications sur le téléphone, et c'est suffisant pour nous sortir d'une tâche, quoi. Et l'idée du Pomodoro, c'est on coupe vraiment toutes les distractions, ça peut peut-être aller jusqu'à la musique, j'en sais rien, mais en tout cas, toutes les distractions possibles, et pendant 25 minutes, on est vraiment focus à 100%. Donc quand je dis à 100%, c'est pas on va aller checker un petit truc sur Facebook ou lancer une vidéo YouTube, si elle est... voilà. Vaut mieux la couper si c'est pas ça que vous voulez écouter, plutôt que d'aller en chercher une nouvelle, ça va vous distraire. Et ensuite, après ces 25 minutes, vous allez prendre 5 minutes de pause. Donc plutôt que de travailler une heure et puis faire 5 minutes de pause, c'est vraiment 25 minutes, 5 minutes de pause, et puis on est reparti pour 25 minutes de concentration. Et après plusieurs sessions de 25 minutes, je crois qu'à peu près 2-3 heures, tu prends une pause beaucoup plus longue, d'une demi-heure, où tu fais ce que tu veux, ton café, ton jogging. Enfin, jogging 30 minutes, ça va pas être ouf, mais ouais. En tout cas, l'idée, c'est de faire quelque chose pendant ces 30 minutes. Et moi, j'avais expérimenté ça. C'était plutôt efficace. C'est vrai que t'en sors pas mal de résultats, mais le côté trop paramétré de ta journée, moi, ça m'avait beaucoup perturbé. En tout cas, le Pomodoro, c'est certainement pas la technique qui, moi, me convient. Parce que même si je dis qu'il faut faire attention, qu'il faut pas travailler trop, j'ai tendance à travailler vraiment 4-5 heures de suite non-stop, et puis c'est là où je fais ma pause. J'ai besoin de ce moment créatif où justement je suis en transe, c'est pas tout le temps le cas, mais où je suis focus et le temps passe pas, pour arriver au bout d'une tâche. J'arrive pas à passer à la prochaine tâche sans à autre chose sans avoir fini ma tâche. Je suis un peu monomaniaque, quoi. Ouais. Bah, de l'extérieur, comme ça, la technique Pomodoro, ça me paraît court, en fait, 25 minutes.
avant de prendre une pause de 5 minutes. Moi, j'avais entendu qu'il fallait en général un quart d'heure pour se mettre vraiment dans la zone, pour vraiment se concentrer sur une tâche. Mmh. Et du coup, juste 25 minutes, ça me paraît un peu court en fait. Et est-ce que tu as déjà entendu d'autres méthodes que tu aurais potentiellement appliquées, toi, de ton côté? Ouais, c'était Devra Posa qui en parlait dans un de ses lives sur Twitch, je pense, ou sur YouTube, je sais plus, mais lui, il avait dit qu'il se chronométrait, en fait, le long de la journée, et il se disait, je vais bosser 8 heures pile, ou 10 heures, ou je sais pas, enfin un certain nombre de temps, et je dois avoir terminé ces tâches-là avant les 8 heures. Et je peux pas dépasser, quoi. Et du coup, ça lui mettait la pression, et il disait, j'ai jamais été aussi productif, parce que... Mais Ali Abdal, il en parle souvent, justement. On suit tous les deux un YouTuber qui s'appelle Ali Abdal, qui est fort sur la l'organisation, la productivité. Ouais, c'est ça. Et il parlait d'une loi, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est une loi où tu vas réaliser quelque chose en fonction du temps qui t'est imparti pour le faire. Donc si tu te donnes une semaine pour faire quelque chose, tu vas prendre une semaine pour la faire. Alors que ça tombe, il te faudra juste une ou deux heures pour faire cette chose-là. Et ça dépend du temps que tu te donnes à toi-même, en fait. Et du coup, moi, j'avais fait ça aussi. J'avais fait ça où je me chronométrais très long la journée. Et c'est vrai, j'ai vraiment vu un pic en productivité à ce niveau-là, quoi. Ouais, je suis passé par là aussi. Ça, j'ai fait aussi, et ça, je fais toujours, par contre. C'est-à-dire que j'ai vraiment un canevas de tâches à réaliser. Donc, c'est vraiment juste des bullet points. Et j'essaie de... Aujourd'hui, je connais plus ou moins mon rythme de production. Alors, ça arrive que des fois, une de ces bullet points passe au jour suivant. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller de la tâche la plus impérative à la moins impérative. Et puis t'essaies d'éliminer toutes ces tâches dans la journée, et comme tu le dis, parfois on se donne une semaine, et en fait, 2-3 heures, ça pourrait potentiellement être terminé. Et d'ailleurs, en rebondissant là-dessus, là ça peut être pour toutes les tâches du quotidien, mais évidemment, il n'y a pas que notre travail qui nous prend la tête, qui nous prend de l'esprit, c'est toutes les tâches du quotidien, c'est la vaisselle qui n'est pas faite, c'est le linge qui n'est pas fait, et il vaut mieux toujours faire tout ça. Personnellement, le matin, j'essaie de faire tout ce qui me dérange, et fin de journée, j'essaie aussi de faire tout ça pour que, avant de me mettre devant mon ordinateur, il n'y ait vraiment plus rien qui puisse me distraire de ce que je dois être en train de faire, quoi. Parce qu'après, c'est des petites tâches stupides de tous les jours qui viennent s'accumuler et qui me créent un trouble de concentration, parce que je vais me dire, merde, mon linge est encore à sécher, il faut que j'aille le retirer, mais j'ai pas envie de quitter mon poste maintenant en plein milieu de ces 2-3 heures prolifiques dont je parlais plus tôt, quoi. Donc, ouais, et au niveau mental, le fait de réaliser des petites tâches comme ça dès le matin, c'est très bien aussi, parce que tu te dis que t'as déjà, enfin c'est le matin et t'as déjà accompli quelque chose de pas agréable, et ça c'est franchement un boost pour le reste de la journée. Oui, c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup l'importance de faire juste des petites tâches, d'accomplir des tâches. La bullet point, elle est importante parce que ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de mon travail. Par contre, le fait d'avoir des petits accomplissements tout le long de la journée, venir checker les réussites de la journée, moi personnellement ça me fait du bien. Ça me rappelle quand j'étais aux études, je faisais aussi ce principe de bullet point, et j'aimais bien barrer ou juste souligner en vert ce que j'avais fait, et à la fin de la journée je fais ah yes, j'ai tout fait, quoi, c'est trop bien. Et t'as un sentiment d'accomplissement qui va au-delà de ton travail, quoi. Donc le management, essayer d'encadrer un peu votre travail, c'est quelque chose qui peut aussi finalement vous enlever un poids. Et en parlant de ces tâches, quelque chose qui est très important à faire aussi, c'est pas simplement de les lister, c'est aussi d'être réaliste sur ces différentes tâches. Yari parlait de se chronométrer, évidemment on le fait au début, après on a plus ou moins une idée du temps que nous prend une tâche, et puis on essaye de mettre ses fenêtres de temps dans sa grille, dans son horaire, quoi. Ça va prendre 2 heures, cette tâche là 4 heures, ok, c'est réaliste que je les mette dans ma liste de travail. C'est parce que si vous venez avec des tâches beaucoup trop grandes, irréalistes sur le délai que vous vous donnez, eh bien au contraire ça va faire l'effet inverse de ce qu'on dit ici. Donc ici on parlait de positif, ça peut être complètement négatif parce qu'on a l'impression d'être d'utiliser des mots durs, mais on peut se sentir comme un moins que rien à l'idée de pas être en mesure d'accomplir une tâche, alors qu'en fait vous êtes tout à fait capable de le faire, c'est simplement que vous n'avez pas donné le temps nécessaire d'être en mesure de le faire, quoi. Ouais, et
Mais le fait de se chronométrer, c'est aussi ça a aussi un fait de se ramener à la réalité, parce que du coup, Dave Raposa, il arrêtait toujours, et moi aussi d'ailleurs, j'arrêtais toujours le chrono quand j'étais distrait, quand j'allais sur Facebook, quand j'allais sur YouTube ou quoi. Et ça te ramenait à la réalité du fait de, ok, en fait, aujourd'hui j'ai dessiné seulement ce temps-là, enfin 4 heures peut-être, alors que j'ai l'impression d'avoir dessiné pendant 10 heures, quoi. Alors que pendant les 6 autres heures, bah, j'étais distrait à faire d'autres choses. Et je pense que ça peut être vraiment... Enfin, pour tout le monde, ça peut être vraiment super intéressant de se rendre compte, oh, en fait, je suis distrait à ce niveau-là, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est marrant. C'est marrant de voir que finalement, bah, là-dessus, on se rejoint totalement, quoi. Alors, je vais juste passer sur le chat. Alors, un peu trop bizarre, sans doute, mais je me mets à me parler à moi-même en répétant chaque tâche que je fais au fur et à mesure, afin de rester concentré, et je continue sur quelques heures max. Bah, si j'ai bien compris ta remarque, le fait de te dire à toi-même ce qui te reste à faire, bah oui, c'est un petit peu comme si t'avais quelqu'un derrière toi et qui te confirme que t'es en train d'avancer. C'est un peu ta liste à toi, en fait. C'est toi-même qui, dans ta tête, te répète comme Arya Stark, tous les gens qu'elle doit tuer. Bah, toi, c'est toutes les tâches que tu dois tuer, réaliser dans ta journée pour pouvoir aller de l'avant. J'espère que tu as la référence, Yari. Ouais, ouais. Ouais, ça va. T'inquiète. J'ai l'impression d'être fou parfois, I'm not gonna lie. Ok, on te dit que tu sonnes fou. Il a toujours le mot pour se faire apprécier, Slowbade. Ah, d'office. Il va falloir que Marion vienne modérer un peu ce chat turbulent. Donc, organisez-vous, ça va vous faire du bien dans le coco. On va aller voir pour les tâches suivantes. L'heure tourne. Quand on est en bonne compagnie avec vous, avec Harry, un peu moi, ça passe toujours très vite. Ça, ouais, j'ai marqué. J'ai pas la cote, je sais bien, on va faire un vote à l'occasion. Donc, on a parlé des situations de stress que ça pouvait évidemment engendrer. Stress qui mène encore une fois au burn-out, à plus l'envie de dessiner. Au final, on progresse beaucoup moins que souhaité. Il y a beaucoup de choses qui se regroupent dans tout ce qu'on avait écrit. Ah oui, ça c'est très important. Je parlais de vacances, mais du coup, ce qui est important, c'est l'important, beaucoup d'important, c'est le fait de faire des concessions dans sa vie. Ça c'est vraiment, je crois, le plus dur, c'est de se dire, bon, là le choix évident, c'est je vais aller prendre du bon temps plutôt que dessiner. Ah, ça a déjà visiblement été, oula, ta caméra est en train de bugger, Yari. Ah ouais? Carrément. C'est parce que... J'ai un bel écran buggé. Attends, on va refaire... Coupe ta caméra et repartage ta caméra, s'il te plaît. Les aléas du direct. Oups, merde. Vous voyez notre technologie. Alors, c'est bon, c'est reparti. Elle n'a pas duré très longtemps. Oui, donc je disais le fait de faire des concessions. Parce que le fait donc de faire déjà un choix entre dessiner et faire des vacances, toi, ça t'avait déjà pas mal perturbé à un moment de ta vie. À l'avenir, maintenant, t'es construit là-dessus, tu te dis, ben non, les vacances, ça va quand même être important, j'ai envie, pour faire des packs photos, pour voir le monde. Mais c'est pas les seules concessions qu'on fait dans la vie. Il va y avoir des concessions de vie pour des choix de vie très très simples. Avoir des enfants, se marier, acheter une maison, s'installer dans un pays ou un autre. Et c'est toutes des concessions qu'on va devoir faire et qui peuvent aussi amener à un stress plus ou moins fort, aussi à une forme de burn-out, qu'on le veuille ou non. Est-ce que tu as conscience de tout ça aussi, Yari? Est-ce que tu as déjà l'impression d'avoir fait des choix qui t'amènent à indirectement pas pouvoir revenir en arrière, quoi? C'est vaste, ouais. Hein, je sais bien. Ouais, non, ouais, vraiment. En fait, mais c'est drôle parce que je ramène toujours ça aux études parce que je viens d'en sortir, quoi. Tu viens d'en sortir, pendant, hein, ouais. Pendant un moment de mon bachelier, j'avais beaucoup de cours, beaucoup de cours théoriques aussi pendant la journée. Il y a des jours où je terminais par 4 heures de cours théoriques. Et le soir, en revenant chez moi, j'avais pas envie de dessiner, quoi. J'avais vraiment pas envie. Et du coup, j'avais une fois entendu une interview à nouveau où c'était un artiste qui disait... c'était un peu la même chose, mais lui, il travaillait en tant que concept artiste. Et le soir, il avait pas envie de bosser sur ses projets à lui. Et du coup, il disait, ce que j'ai fait, du coup, c'est j'ai décidé que j'allais me lever plus tôt
et travailler avant le boulot. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais faire ça, mais avant l'école, moi. Donc, j'ai décidé de me lever pendant ça a duré assez longtemps, pendant 2 ans, 2 ans et demi, à me lever à 5h du matin pour travailler sur mes projets. Et alors, je commençais les cours à 9h, il me semble. Et du coup, j'avais 4 heures de boulot avant les cours. Mais du coup, pour avoir mes 8 heures de sommeil, j'étais obligé d'aller me coucher vers 21h, quoi. Ah ouais, dur. Donc, j'avais zéro vie sociale. Je sortais jamais, je pouvais jamais sortir parce que je voulais absolument garder ce rythme-là. Et si je sortais, ça allait me foutre dans un autre rythme. Et du coup, à ce moment-là, ben, j'ai ressenti quand même les dégâts de ne pas être sociable et de ne pas parler à assez de gens et de ne jamais sortir, même si c'est pas le but de sortir tout le temps, mais de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Et du coup, maintenant, c'est plus du tout ça, en fait. L'été, je sors, je vais voir des potes, je voyage et je me sens plus autant mal de plus consacrer toute ma vie au dessin, quoi. Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que on est des êtres humains avant d'être des artistes. Et on est, enfin, je pense que il y a le mythe que ben on est des artistes, du coup on doit faire ça à H24, quoi. Et c'est pas du tout le cas. Il y a tout le reste qui est sur le côté, qui est super intéressant, important, notamment ben justement la santé physique aussi et les amis et être sociable. On est des créatures sociables et on est obligé de, enfin, pour la santé mentale même, on est obligé de parler à d'autres gens et de voir d'autres gens. Donc ouais, voilà. Non, mais c'est bien. J'étais absorbé par tes paroles, sur lesquelles je peux qu'être d'accord à 100%. Bah, tu parlais de choix qui t'ont amené à sacrifier quand même ta vie sociale. C'est quand même pas facile. J'ai vécu ça un petit peu aussi. Bon, après moi j'avais toujours une vie sociale très 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 geek, toujours été sur des ordinateurs depuis très jeune. Bon, évidemment maintenant mes contacts heureusement s'étendent au-delà de l'internet, mais pendant longtemps c'était le cas, et du coup bah j'arrivais quand même à entretenir une forme de vie sociale en étant tout simplement sur internet, et à ce moment-là ça me suffisait, évidemment, même si je travaillais beaucoup. Et puis le fait d'être sur des communautés, sur des forums dont on a déjà parlé aussi, eh bien c'était une de mes formes de contact social avec lequel j'arrivais à partager beaucoup de choses et me sentir compris aussi dans ma bataille de tous les jours. Mais malgré tout, je sacrifiais effectivement beaucoup beaucoup de temps. Un autre sacrifice sur lequel moi je voudrais venir, ça va être un peu intime. Mais c'est des choix que je suis en train de faire, qui sont pas évidemment à arrêter aujourd'hui, mais qui ont drivé tout mon parcours d'artiste et qui me drive encore aujourd'hui. C'est pas facile d'en parler, mais bon, je sais très bien que c'est à des fins artistiques que, en partie, que je fais, je prends cette décision. C'est que je ne veux pas d'enfant. Je ne souhaite pas d'enfant, en tout cas pour l'instant. Ça fait des années, j'arrive pas du tout à me dire que ça, c'est quelque chose qui va arriver, parce que j'ai l'impression que je serai contraint dans mes ambitions professionnelles, je serai contraint dans mes envies de voyage, je serai contraint dans beaucoup de choses. Alors ça apporte évidemment beaucoup de choses dans la vie aussi, c'est des sujets dont j'ai pu parler en long en large avec beaucoup de gens. Mais malgré tout, voilà, si je veux justement pouvoir concilier certaines choses, il faut que j'en sacrifie d'autres. Et si je veux pouvoir voyager 3 mois par an et le reste du temps travailler et pouvoir sustenter à mes besoins et souvent aller dans des événements, souvent être peu présent chez soi finalement, c'est difficilement conciliable avec un enfant. Alors oui, on va certainement me dire que des artistes le font. Oui, j'en vois tous les jours. Mais ça n'a pas l'air d'être évident. Et aujourd'hui, sans avoir cette contrainte, cette difficulté dans la vie en plus, déjà rien que de devoir subvenir à mes propres besoins, à mes propres caprices et mes propres envies, ben je me sens déjà un peu tight, quand je me sens déjà à ma limite par rapport au rythme de vie que je me suis donné, quoi. Et donc une vie en plus, ça me paraît extrêmement compliqué, et mine de rien, et ça, donc, comme je disais, depuis que je suis très jeune, ça a souvent été un choix qui a été orienté par le fait de vouloir faire que de ma vie la création. Alors dit comme ça peut un peu faire un peu triste de sacrifier
un enfant sur l'autel de la mort, un sacrifice. Mais justement, j'évite de sacrifier ça. Je vais encore aller dans une petite bulle perso, mais ça, peut-être que c'est ce qui amène à mes choix aujourd'hui. J'ai eu un père très passionné. Malheureusement, il n'était pas très présent. Même si on s'entend extrêmement bien et tout va très bien, merci. Bisous papa. Mais voilà, il n'était pas très présent par sa passion. Et du coup, j'ai vu aussi ce que ça faisait d'être un enfant et de pas être accompagné, de pas avoir la présence du père quand on est passionné. J'ai connu des amis qui étaient dans le même cas de figure. Je pense à un ami dont son père était danseur et il faisait de la danse à travers le monde, partout, et il n'était jamais présent, quoi. Et ça a beaucoup impacté cet ami. Et quand je mets un petit peu tous ces petits éléments les uns à côté des autres, voilà, moi j'ai pas envie de faire vivre ça à qui que ce soit. Voilà, c'était la parenthèse perso, mais je pense que c'est important aussi de se rendre compte qu'on peut sacrifier beaucoup de choses pour l'art. Il faut juste en avoir conscience. Ça doit être un choix conscient et volontaire, évidemment. Mais qu'on n'est pas obligé de le faire. Il y a des gens qui ne le sacrifient pas, comme je le disais. Je pense à un artiste comme Tyler Hoechlin qui s'affiche de temps en temps avec sa famille. Et on voit qu'il a une famille très épanouie, très grande, et qui se lance dans plein de trucs, plein de projets. Il donne des cours d'un côté, il fait du freelance de l'autre. C'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Et qui sait, dans les années qui viennent, je changerai peut-être aussi ce point de vue. Voilà, j'ai pris longtemps la parole, mais je trouve que c'était important d'en parler aussi, ce point de vue familial, évidemment. Ouais, t'as raison. Je vais juste refaire un petit point sur le chat. Toujours Slobat qui fait le clown. Ton prof qui parle. Ouais, c'est bien. Tu peux leur dire. Hein. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir venir. Ça risque d'être drôle. Ouais, j'avoue. D'ailleurs, au niveau éducatif, on espère, poil aux oreilles, vu que tu es enseignant, qu'au fur et à mesure des podcasts, si tu sens qu'il y a des choses que nous pourrions aborder ou qu'on va peut-être pas assez loin, pour que ça puisse être intéressant pour des étudiants, ce serait super intéressant d'avoir ton retour pour qu'on travaille aussi là-dessus, puisque l'idée c'est que ce soit, même si c'est reposant et que c'est entre potes et c'est une discussion entre Yari et moi, c'est que ça profite à tout à chacun. Alors, Slobé, pardon, par contre, je suis plus oui. Un enfant. Hein. Voilà, Yari est un peu mon enfant, voilà, c'est ça que tu voulais dire. Alors, non. Non, moi je le laisse déjà partir chasser des Pokémon en Islande, c'est bon. Hein. Il a plus de 10 ans. Et ouais, donc oui, poil aux oreilles. Et confirme qu'avec 3 enfants, lui, il a peu de temps, mais ça lui apporte aussi souvent de l'énergie. Ouais, oui, j'imagine aussi qu'il y a l'effet inverse. Comme disait un certain chanteur, mon fils, ma bataille, ça motive à faire des choses, à prendre des choix et de pas se laisser le choix. Enfin, justement, moi j'ai un autre syndrome. Alors, ça, tu l'as peut-être pas encore, Yari, on en a peut-être déjà parlé, je sais plus. Mais le fait qu'aujourd'hui je suis dans une situation où j'ai une très bonne rémunération, j'ai choisi d'avoir du temps, donc en sacrifiant vie de famille pour l'instant et tout ça, je me retrouve à avoir trop de choix. Beaucoup de choix. Je peux faire ce que je veux, vraiment. J'ai réussi à mettre de l'argent de côté, j'ai la chance d'avoir une situation très correcte qui fait que du jour au lendemain, je pourrais potentiellement arrêter de travailler pendant un certain temps pour me consacrer à autre chose. Et tu te retrouves aussi parfois avec ce choix de se dire bah, « je peux faire tout ce que je veux » ou au contraire « je peux pas faire ce que je veux ». Et ça, c'est des questions qui te trottent en tête constamment. Est-ce que tu as de temps en temps ce genre de pensée, Gary ? Le fait d'avoir trop de choix, ouais. Ouais, le fait de poser la question « qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?» quoi. Parce que moi, il y a un moment où j'ai envie de faire juste de la photo aussi. Genre, il y a un moment où je m'étais dit, où j'avais vraiment commencé à faire la photo et je me dis, mais enfin, ça me plaît bien quand même. Du coup, c'est vraiment des questions à se poser. Et c'est vrai, ça peut être vraiment un sentiment de vertige d'avoir trop de choix, d'avoir le luxe, d'avoir trop de choix. Et il faut se mettre. Je pense que les questions qu'il faut se poser, c'est pas forcément qui tu veux être, mais qui tu ne veux pas être. Et ça permettrait de travailler par élimination sur qu'est-ce que tu vas pas faire, quoi. Ah, c'est joliment dit, ça. Qu'est-ce que tu ne veux pas être Non, mais c'est vrai que ça aide à éliminer pas mal de choix.
Bah, pour rebondir là-dessus, sur le fait de la photographie, par exemple, faut aussi savoir se dire que dans son parcours artistique, on termine quand on décède, sauf si on a des problèmes quelconques, mais je veux dire, j'ai l'impression que moi, à la retraite, je vais encore dessiner. À la retraite, je suis encore en train de créer, ou d'enseigner, peut-être. Enfin, on sait pas ce qu'on sera dans 30-40 ans, ça va être difficile à dire, mais par exemple, si ça se trouve, la photo, Yari, bah t'aurais quand même, ça se trouve, dans 10 ans, c'est ta carrière. Et c'est ça qui est beau avec notre métier, et avec tous les métiers, c'est qu'on peut changer à n'importe quel moment. Je connais beaucoup de gens en ce moment, dans mon cercle proche, qui, à 30 ans, changent de vie. Ils ont travaillé 10 ans, 5 ans, dans 5 à 10 ans dans certains secteurs, et puis maintenant, ils sont en train de tous se remettre en question, de se dire, est-ce que c'est vraiment ma voie ? Et on est dans une belle époque où, grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à des podcasts, comme on est en train de faire, des gens arrivent à réaliser qu'en fait, non seulement ils ont le choix, et que c'est pas les seuls à avoir pensé à tout ça, et que c'est possible. Il y a déjà beaucoup d'exemples d'artistes, je pense souvent à Tony Jones parce que c'est celui qui m'a le plus marqué, de se dire il était plombier jusqu'à 32-33 ans je crois, et puis du jour au lendemain il a arrêté, aujourd'hui il a une carrière des plus brillantes dans le concept, dans l'illustration, il s'est fait un nom très important, il a même ouvert une plateforme en ligne d'apprentissage, enfin il a fait beaucoup de choses. Et à la base, il était plombier. Alors, je connais pas tout son passé, donc si ça se trouve, il avait quand même un petit passif artistique, il avait peut-être fait des études, et finalement, il avait pas réussi à trouver un job directement, ce qui l'a amené à la plomberie, mais peut-être pas. Mais toujours est-il qu'à 33 ans, il s'est dit, bon, ben, je me bouge les fesses, je me crée quelque chose de très particulier, et il a réussi. Et donc, si ça se trouve, que ce soit moi ou Yari, en 10 ans, on fait plus du tout ce qu'on est en train de faire là. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas. Au début, j'étais made painter. J'ai été gérant de ma propre boîte où je dessinais quasiment pas. Je faisais des interfaces, des trucs comme ça, gestion client. Puis j'ai fait de la direction artistique pour de la com. Et puis maintenant, je suis concept artiste. Donc finalement, en fait, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait 4 fois. J'ai 4 fois changé de gros secteur. Oula, pardon. J'ai changé 4 fois de gros secteur d'activité. Et c'est peut-être pas la dernière fois. Je pense beaucoup à de l'entrepreneuriat et j'ai envie de faire encore d'autres choses. J'ai plein de choses dans ma valise. Et Bouge ton pixel en fait partie, par exemple. Ouais. Pour apporter de la valeur, quoi. Alors, il n'y a pas de souci, Spolik. De toute façon, ce sera en rediffusion dans la semaine prochaine ou plus tard. Ça pourrait même arriver beaucoup plus vite, parce que j'ai des disponibilités pour m'en occuper cette semaine, de faire un petit montage et uploader ça sur YouTube. Donc tu n'as rien manqué. Vu que tu me laisses tout seul à travailler. Oui, c'est vrai, bah, tout l'enregistrement se fait ici, évidemment. J'avais bien trouvé quelque chose à faire pour le prochain épisode, évidemment. Ouais. Bon, là, on a parlé des choix. L'importance de prendre des vacances. Bon, ça, on en a un peu parlé tout le long. Est-ce qu'on refait un petit point là-dessus? Je ne sais pas. Sachez prendre du temps libre, en tout cas. Sachez budgétiser vos vacances dans vos rentrées d'argent annuelles. C'est hyper important. Ça sert à rien d'être artiste. Non, ça sert à rien de travailler, tout court. Pas juste être artiste. Artiste, faut arrêter de mettre l'étiquette de la personne qui est capable de vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, je refuse ça. D'ailleurs, on va faire une vidéo. On fera un podcast dédié à l'argent. Moi, j'ai jamais été tabou là-dessus. Faut savoir en parler. Faut savoir se défendre là-dessus. C'est le seul moyen que nous puissions tous avoir des prix corrects. Que si on s'aligne tous sur les mêmes tarifs. Donc, ça, faut savoir en parler. T'es payé, toi ? Ouais. Il me faudrait le même. Je suis un stagiaire sur ça. Vous êtes payés, les gars. Ah ouais, mais du coup, voilà, ça c'est important et les vacances doivent être inclus dedans. Ou l'étude des petits, si vous voulez pas, vous pouvez pas de vacances, ça c'est un autre problème. Oui, alors est-ce que je la mets ou pas? Je sais plus combien de temps Je sais même pas c'est quoi en fait. Mais si, tu vois bien ce que c'est. Attends, je vais aller voir la durée du temps d'une vidéo que je meurs d'envie de vous montrer. C'est pour mettre un petit moment détente, voir si on peut pas faire des petites vidéos réactions en plein milieu de live. Et c'est dessiner des bonhommes saucisses, quoi. Survivant sortant des flammes. Ah, je te l'ai montré. Oui, ouais, c'est ça. Pourquoi t'as mis saucisse? Mais parce qu'il parle de saucisse pour la constriction du corps. Alors okay. ça dure 3 minutes. Je peux vous la montrer. J'espère que vous allez avoir le son. Faut juste que je mette ça en place.
Parce que rire, c'est important aussi pour la santé. et nous, on aime bien rire. Voilà. C'est la seule raison pour laquelle je m'oblige à vous montrer cette vidéo. Alors, en espérant que j'aurai le son et que j'aurai tout ce qui fonctionne, on va passer sur le bureau à nous deux. Parfait. Il va falloir que je coupe ma petite musique. Et on espère que vous allez avoir le son. Je vais le monter ici. À dessiner un personnage en pied. Vous êtes... Ouais, j'espère que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, dites-le moi dans le chat. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Ouais, donc commençons tout de suite par dessiner un cercle. Ensuite on fait un long trait. Et séparer ce trait en 8 parties égales, car la cloche est égale. Rien que ça, ça me fait déjà rire. Pardon, mais ça me ressasse des souvenirs de dingue. Le milieu. Il faut savoir qu'il y a. Il y a plus de 10 ans, je crois qu'on est sur 2009. Ensuite, tracé, cette vidéo est sortie, c'est bah, YouTube commençait à faire un peu son bout de chemin. et c'est devenu un mème parmi les artistes Café Salé et Lasco Painters. Ensuite, pour les où gens, on nous apprend à dessiner. Alors évidemment, c'est bourré d'aberrations et j'en pleure de rire encore aujourd'hui. Faites une forme de saucisse. Moi je le vois en décalage, je le regarde sur Twitch. Hein. Ah oui, ok. Ça reste drôle même en décalé. Ça, et le plus drôle dans tout ça, c'est de se dire qu'il te met des constructions, mais il ne suit rien du tout. Forme ovale comme ça. Oh mon dieu. Ensuite les bras. La ligne des épaules. Alors notez que c'est toujours bien important de dessiner bien la droite de votre feuille. Centré, c'est un peu has-been. De même longueur. Ils ne doivent pas arriver en dessous du niveau des hanches. Voilà. Pareil, des saucissons comme pour les jambes. Et puis un petit rond pour les mains. Donc là, vous avez le squelette de votre personnage. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à la finir en le repassant au stylo. Alors oui, pour les gens qui nous écoutent en audio et en rediffusion, là, on vous invite évidemment à regarder les images depuis le moment où on a commencé à rire un peu trop ou rester silencieux, parce que ça mérite concentration. En amplifiant les formes. Voilà, moi, j'aime bien quand il repasse quand même sur les lignes avec le pitch. Votre personnage. Bah, c'est bien important, faut bien avoir la puissance du personnage. Il ne reste plus qu'à gommer tous les traits au crayon à papier. Exactement, JB Olivier, c'est comme ça. Faut... Tous vos étudiants, tous les gens qui veulent apprendre à dessiner, il faut commencer par ça, c'est vraiment à la base. Ouais, c'est à la base. On va rajouter un ballon à ce personnage. Donc ensuite, faites un petit magnifique. Message en utilisant les techniques que l'on a vues dans... la vidéo presque. Oh mon dieu. Elle se vieille, gars. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. À bientôt. À bientôt. Sur pratique. Alors évidemment, difficile à croire que ces gens-là se prenaient au sérieux. On ne sait pas. Si un jour, si des gens connaissent cette personne, qui ont des contacts avec cette personne, on veut l'inviter, on veut discuter de pratique, on veut discuter de cette vidéo. Je veux bien faire une petite aparté pour parler de ce gars et de cette vidéo. Et du coup, ouais, je disais que le rire c'était important et il faut surtout savoir que bah à l'époque donc ça avait fait un petit pétard, un petit effet de petit explosif et tout le monde s'y était mis à cœur joie. Il y avait eu des dessins qui avaient été faits. J'en avais moi-même fait un que je vous avais montré dans la vidéo précédente d'un survivant sortant des flammes. Non, d'un personnage sortant des flammes tel un survivant. C'était ça. Ouais. Voilà, tout le monde est d'accord, il met ça bien au propre. Les gens se souviennent de cette vidéo. Moi, tu me l'as fait découvrir, ce que je ne connaissais pas. Ah ouais, mais bon, c'est pas ta génération. Toi, il y a 10 ans, tu regardais encore Pokémon à la télé, hein. C'est vrai, mine de rien, en termes de contraste des podcasts. À 13 ans, ouais, il y a moyen.
Ouais. Moins 20 à 20, 30, j'ai regardé encore, donc il y a moyen quand même. Alors, ça, c'était pour le rire. Maintenant, on va passer un petit peu au risque physique. Alors, peut-être qu'on va revenir sur des éléments psychologiques, si on fait des allers-retours, si vous avez des idées, quoi. Du coup, au niveau de la santé physique, on en a un petit peu parlé, il y avait le fait d'avoir un bon sommeil. C'était vachement important. Donc dans ce podcast qu'on a écouté, que je vous invite vraiment à écouter, si on le mettra en lien de description sur la vidéo YouTube, ouais, évidemment. Donc c'est en anglais par contre. Sans ça, ça va être un peu compliqué. Mais dans les grandes lignes, pour ce qui nous concerne, ben on voyait à quel point c'était important. Donc pour des choses qu'on connaît tous déjà un petit peu, ça influence sur votre perte de poids. Si vous dormez très peu, eh bien votre corps va plus aller puiser de l'énergie dans vos muscles que dans le gras. Il va pas pouvoir faire ce qu'il est supposé faire pendant les phases de sommeil, qui ont chacun un rôle bien défini. Mais au niveau de l'artiste, ça va un peu plus loin, ça va aussi affecter votre créativité, ça va affecter votre mémoire. Et il utilise un exemple que j'ai bien aimé. Je sais pas si t'avais rebondi là-dessus, Yari, mais à un moment il parle du fait que il prenait l'exemple d'un pianiste. Au début, on galère à jouer du piano. Et puis, un jour, on va se réveiller et en fait, ça va être beaucoup plus fluide. Donc, ça ne veut pas dire qu'on sera mieux joué du piano. Ça veut juste dire qu'on aura mieux mémorisé le truc, quoi. Ouais, pendant le sommeil, notre cerveau, eh ben, il retrie les informations. Et du coup, le lendemain, ben, ça paraît plus clair, en fait, pour le cerveau. Ouais, c'est ça. Et c'est fascinant parce que... Ben, moi, si je prends un exemple qui était plus de mon côté, je l'utilisais la dernière fois, c'est le fait de dessiner des mains constamment. Et puis, je sais pas, du jour au lendemain, j'ai fini par comprendre les mécanismes. Et à vrai dire, je saurais même plus revenir à mon état de pensée sans que je ne comprenne. Et c'est valable pour tout un tas de choses. Je sais plus du tout comment je pensais il y a 15 ans quand j'apprenais le dessin. Quelle était ma façon de penser par rapport à aujourd'hui? Je suis complètement nouveau. Si on part sur la régénération de cellules, par exemple, on estime que tous les 7 ans, on n'est plus la même personne parce que toutes nos cellules se sont régénérées. Il y a un peu le même principe qui s'installe avec les pensées et les idées et tout ce qu'on a ingéré en connaissance. Et donc voilà, donc le sommeil, c'est extrêmement important pour tout un tas de facteurs. Et si vous voulez devenir bon en dessin, eh bien évidemment, si vous allez devoir mémoriser tout un tas de choses, il vaut mieux du coup bien dormir. Et concrètement, ça va complètement à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure, où j'ai eu des phases où je travaillais toute la nuit, je dormais très peu. Ah oui, ça, j'ai oublié de le souligner, mais évidemment, les jours où j'avais envie de dessiner, tout comme Yari, des créations perso, alors que je travaillais le lendemain, je me retrouvais inévitablement à devoir sacrifier des heures de sommeil, coucher à 2-3 heures du matin, je me levais à 7-8 heures, donc j'avais à peine 5 heures de sommeil, 4-5 heures, et après cette très intéressante vidéo, je me rends compte que c'était extrêmement mauvais. Alors je peux pas aller dans le thème scientifique, mais il disait quelque chose là-dessus, sur le cerveau, que tu emmagasinais des sortes de neurotoxines à force de manquer de sommeil, et que ça pouvait provoquer plutôt Alzheimer, et qu'on pouvait gagner, ouais, jusqu'à 10 ans de en restant encore vif d'esprit, alors que si on dort très très peu, le cerveau s'affaiblit, en fait, tout simplement. Il n'arrive pas à faire le travail qu'il doit faire pendant la phase de sommeil. Et du coup, on peut avoir Alzheimer plus tôt. C'est ça. En fait, il disait vraiment qu'en dessous de... Si vraiment on passe en dessous des 7h30 de sommeil, les dégâts sont de plus en plus exponentiels, en fait. Plus on dort. Et dès qu'on passe à moins de 7h30 de sommeil, on est beaucoup moins... efficace dans le travail et dans notre précision de ce qu'on veut faire, par exemple. Et ouais, le fait de ne pas dormir assez, ben, ça peut provoquer vraiment l'Alzheimer beaucoup plus tôt et ça augmente les risques de cancer aussi. Donc c'est vraiment super, super, super important, le sommeil. Et on pense toujours que, ben non, le sommeil, c'est... Enfin, moi, je suis cool parce que je reste toute la nuit éveillé à travailler. Ben, en fait, parce que tu vas mourir plus tôt, en fait. Et c'est aussi les dangers de la hustle culture en Amérique. Et même maintenant aussi, c'est le fait de... Ben, tu te reposeras quand tu seras mort, quoi. Et en fait, ben, si tu te reposes pas, tu vas mourir beaucoup plus tôt.
Et c'est vraiment c'est super toxique le fait de penser qu'il faut jamais se reposer, quoi. Donc le sommeil, c'est super important. Oui, c'est ça, effectivement, pour plein de choses. Donc ouais, évidemment, si vous êtes passionné par le dessin, si vous mourrez plus tôt, bah, je le disais la dernière fois, c'est que vous allez dessiner moins aussi. Donc faut penser à soi, c'est extrêmement important, évidemment. Mais ça joue aussi donc sur la mémorisation, donc ça c'est super important. Ça veut pas dire qu'il faut... Des fois, alors il n'en parlait pas spécifiquement pour le dessin, ou pour mais en termes d'apprentissage, on se rend bien compte que... une bonne nuit de sommeil, ça fait tout de suite son travail, quoi. Le lendemain, on se ressent bah, avec plus d'énergie, tu le disais déjà aussi plus tôt. Plus d'énergie, ça veut dire aussi plus d'entrain à travailler. On va moins traîner la patte et on va être moins dans la procrastination. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça aussi. Enfin, indirectement, si. Parce qu'on a parlé de gérer cette tâche, mais finalement, c'est juste un des outils qu'on peut mettre en place pour éviter la procrastination. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Enfin, moi, ça est beaucoup arrivé à cause du sommeil. Justement, enfin, j'estime que c'est arrivé à cause de ça, parce que j'étais souvent très fatigué la journée, puisque je récupérais pas, et puis je me retrouvais avec ben, beaucoup de tâches que je laissais de côté, je procrastinais, du coup j'avais pas envie d'exercer ces tâches, parce qu'elles me fatiguaient d'avance avant de commencer, et j'imagine aujourd'hui qu'avec plus d'énergie, et donc des meilleures heures de sommeil, une meilleure hygiène de vie, je serais peut-être venu à bout de ces tâches dans lesquelles j'ai été dans la procrastination. Est-ce que toi t'as vécu ça, la procrastination déjà? Ah, je le vis en ce moment. Ah d'accord. C'est... Ouais bah ouais, le soir des fois bah je me dis il faut que je bosse, il faut que je fasse une vidéo pour ma chaîne YouTube ou que je dessine et tout, et puis je me retrouve dans un tourbillon de vidéos sur YouTube et ah, on y arrive. Et la soirée elle passe. Et, ouais, c'est ça. Donc tu trouves des nouveaux sujets tout le temps. Il y a un moment où je regardais plein de vidéos d'Urbels, maintenant je regardais des fantômes, enfin c'est vraiment n'importe quoi en fait. Et après t'as l'algorithme qui te propose tout le temps des nouvelles vidéos, donc c'est super dangereux, quoi. Et ça demande vraiment de la discipline de s'éloigner de ça. C'est vrai qu'on est aussi arrivé dans cette enfin, c'est pas facile tout court de pas procrastiner. Moi j'ai parlé de sommeil, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres choses. Je suis aussi moi je suis très fort pour binge watcher, c'est à dire il y a une série qui va me plaire. Eh bien, je vais sacrifier après toutes mes soirées pendant une semaine. Alors, ça dure qu'une semaine. J'ai vraiment des périodes frénétiques. Genre, je crois que j'en ai parlé dans la précédente vidéo. J'ai ça avec le jeu vidéo aussi. Je fais un jeu par an. Je travaille dans le jeu vidéo. Pourtant, je ne trouve pas le temps de jouer parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Mais il y a une période, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je vais vraiment me donner corps et âme dans un jeu. Et moi, c'est comme le travail. Si je dois faire 4 à 8 heures de suite, je vais les faire parce que je suis monomaniaque. Je vais commencer un jeu. Il faut qu'il soit fini dans la semaine, idéalement. Et du coup, je vais vraiment passer tout mon temps dessus, tout mon week-end. Et avec les séries, c'est pareil. Alors, c'est vraiment par période. Ça va pas me prendre toute l'année, tout mon temps libre. Et par contre, j'ai l'effet inverse. Je parlais beaucoup de prendre des vacances, etc., que c'était important. Mais pour me détendre au jour le jour, c'est extrêmement difficile. Je sais pas si t'as... Enfin, là, maintenant, t'as YouTube, tu me parlais des travers dans lesquels t'étais en train de te trouver. C'est normal. On y passe tous. Attends, YouTube, c'est tellement facile. Tu l'as sur ta télé, sur ton téléphone. Tu vas regarder une vidéo pour apprendre un truc. Tu vas avoir 1000 suggestions qui sont adaptées à cette vidéo et qui, du coup, te donnent forcément envie. Tu veux parler de vidéos de voyage, c'est ça, juste avant? Excuse-moi, j'ai pas... Des vidéos d'Urbel, c'est après. Maintenant, je suis dans des vidéos de fantômes et tout, donc c'est vraiment... Voilà. du coup, de l'urbex, et moi, ça va être plus des vidéos voyage. Mais si j'en lance une, je suis parti pour une partie de ma soirée à la regarder, ouais. Quoi. Et tellement ça me fascine, et il y a des pays, j'ai l'impression de tout savoir, tout sur tout. Je pense au Japon, auquel j'ai pas encore mis les pieds dedans, et avec le bière virus, ça va pas nous aider non plus, mais... J'ai l'impression de tout connaître sur le pays, tellement j'ai procrastiné dessus. Quoi. Ouais. Ah, j'ai juste encore un petit point sur le sommeil dans le chat. Alors le livre « Pourquoi nous dormons » explique pas mal ça. J'ai pas vu le nom... Attends, j'ai pas vu le tout début du livre, peut-être qu'on parle de la même chose. Mais j'ai l'impression... On parle de l'auteur de... C'est ça, on parle de l'auteur de ce livre-là, justement. Voilà. Et voilà, donc de toute façon, ça sera dans les détails de la vidéo sur YouTube.
Donc procrastiner, donc on y arrive très très vite, c'est YouTube, c'est les jeux vidéo, c'est plein de choses, ça peut être très régulier, comme de mon côté c'est plus une bulle temporelle dans laquelle je me mets, et du coup il y a quelque chose, quelques éléments à mettre en place pour bien gérer ça. Alors bon, là c'est ni de la santé physique, c'est pas de la santé mentale, c'est de la santé de travail. Et pour se sentir bien, puisque bon, on l'avait dit, si on travaille pas bien, on commence à avoir tout un poids, une charge sur les épaules qui s'accumule, et puis au bout d'une semaine, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites, on commence à se sentir mal. Enfin, ça peut amener vraiment à pas mal de choses différentes. Et du coup, pour faire ça, moi, je fais une to-do list la veille, avant d'aller me coucher. Tu vois, si tu fais des trucs comme ça, Yari, pour essayer de même si tu vas glander dans ta soirée, on le fait tous de toute façon, parce qu'il faut quand même des fenêtres de détente, est-ce que tu vas définir un peu tes tâches de la semaine autres que ton travail? Il faut que je le fasse. C'est élémental, mais il faut que je le pose sur papier. Et justement, je sais pas si toi t'as ça aussi, mais les week-ends, des fois, je les redoute un peu, parce que si j'ai pas quelque chose de fixe à faire, si j'ai pas un programme de ce que je vais faire, je suis rempli d'anxiété en fait. Je suis nerveux parce que je sais pas. J'ai l'impression que je vais perdre mon temps et ça me fait peur. Et à me retrouver chez moi dans ma chambre, là, je sais pas ce que je vais faire et tout. Et du coup, il me faut des trucs, des activités où je sais ce que je vais faire, quoi. Je sais pas si t'as ça aussi. J'ai pas vraiment la notion d'anxiété. Moi, elle vient après. C'est-à-dire que, des fois, je mets des choses dans mon week-end. Des fois, je mets rien. Je suis spécialiste couch potatoes. Même si je commence à prendre soin de ma santé, même si je voyage, même si j'ai envie de plein de trucs. Le week-end, je suis un peu pantouflard. Et pendant tout un temps, il y avait le drink and draw que j'organisais. Et puis, ça a été repris, par Elaïs, qui est dans le chat. J'espère que ça se prononce bien. Et puis par Raphaël maintenant, un autre Raphaël. Et ça me sortait le dimanche, quoi. Ça me faisait ma sortie du dimanche, ça me faisait du bien. Et puis malheureusement j'ai eu moins de temps. Maintenant j'ai plus de temps, mais j'ai moins. Avec le Covid, etc., je prends moins l'initiative de le faire. Il y a les risques aussi, contamination, tout ça, donc je suis un peu frileux. Et ce que je veux dire, c'est que du coup parfois je suis complètement pantouflard, et c'est plutôt après le week-end que je regrette, et je me dis j'avais l'opportunité de faire plein de choses et j'ai rien fait. Mais parfois il faut rien faire. Parfois c'est important, on a une longue semaine, ça peut être exténuant de bosser toute la semaine. Et même si c'est pas un boulot physique, je vois bien les gens qui pourraient nous juger, les artistes devant leur petite tablette. C'est vrai qu'on n'a pas le boulot le plus physique, mais comme on l'a dit juste avant, c'est plus dans la tête que ça se passe, et on peut avoir des troubles qui s'installent de ce côté-là. Et du coup, forcément, faut cool down, et le week-end, c'est soit une activité physique extrême qui va permettre de complètement oublier tout le reste, ou alors rien faire pour ne pas penser à cette activité qu'on fait toute la semaine au niveau du boulot. Mais ça, j'arrive pas justement de rien faire. T'es vraiment dans la phase où, j'en parlais la dernière fois, mais t'es dans une phase où maintenant t'as l'argent qui arrive, et du coup tu vois le panel d'opportunités que tu as face à toi, et tu te dis ce serait trop bête que je ne le fasse pas, quoi. Moi de mon côté, il y a plein de choses que j'ai faites, et je me dis les refaire, c'est pas une obligation, tu vois. C'est un peu dans une autre direction. Le fait de planifier des voyages, je le fais encore cette année, j'espère bien aussi partir quelque part, et voilà, quoi, tu vois. Mais en attendant ce moment là ça va être un tuto, ça va être ne rien faire, ça va être monter une vidéo pour Bouge ton pixel, par exemple. Mais je vais le mettre dans la catégorie « j'ai pas travaillé ». Bouge ton pixel, c'est le plaisir, tu vois. Pourtant, alors que c'est quand même une tâche, finalement. Ouais, c'est vrai. Mais sois moins anxieux, fais attention, faut veiller, on n'arrête pas de le dire, là. Mais du coup... Ouais, je sais. Faut faire ça, du coup. Moi, il y a la to-do list de la veille, ça c'est la semaine, pour les tâches que je fais le soir, etc. Ça peut être des tâches de la vie quotidienne. Segmenter une grosse tâche. Je sais pas, une vidéo comme Bouge ton pixel, par exemple, un live comme celui-ci, au moment de sa configuration, là, au moment de le faire, on s'est dit, ok, dans 3 semaines, on se lance, et il a fallu découper le fait de faire les interfaces, de tester le live, de tester tous ces machins-là. Il a dû découper toutes ces petites tâches-là,
des deux côés, pour Yari et pour moi, pour se dire à la fin, ben ok, dans 3 semaines ça doit être fini. Mais bon, c'était un peu tous les soirs finalement, parce que le reste de la semaine, enfin de la journée, on travaillait quoi. Et donc ça nous a vraiment aidé de segmenter ça. À un moment on allait faire des musées ici, dès qu'il fera un peu meilleur, on en essaiera certainement de refaire des sessions ensemble de photographie. Ouais. Ben mine de rien, ça c'est un événement ponctuel quoi. Comment ? Il faut encore que je te montre mon drone. Ouais, c'est ça, j'ai envie de voir ton drone, j'ai envie de tester ça aussi pour voir si un jour j'investirai peut-être dedans également. Donc la to-do list, ça c'est important, même pour les week-ends. Définir des priorités, ça je l'avais déjà dit aussi, mais pour quand vous travaillez, ça peut être pour votre tâche de travail dans la journée, pour votre boulot, ou pour même pour votre vie privée, le fait d'avoir des priorités hautes, les tâches les plus chiantes, faut les faire tout de suite. C'est une évidence, c'est celle que vous allez traîner le plus la patte, donc autant la faire, et puis on n'en parle plus quoi. Et le faire quand vous avez le plus d'énergie, comme ça hop, on booste et puis on prend que du plaisir sur le reste de la journée avec toutes les petites tâches qui nous plaisent quoi. Donc je l'ai déjà dit, c'est le fait de découper les tâches. Une très grosse tâche, elle doit être découpée, parce que sinon ça peut paraître insurmontable. Si vous avez une grosse tâche très chiante et qu'elle peut être faite sur 2 jours, bah faites-la sur 2 jours en fait plutôt que sur 1, où vous allez vraiment, comme Yari le disait, à force de regarder internet, de faire d'autres choses en même temps, bah la tâche qui aurait pu se faire en 5 heures, vous allez la faire en 10-12 heures. À un moment, il faut utiliser intelligemment son temps aussi, quoi. Je coupe un petit peu dans ce qu'on est en train de dire sur la procrastination, et puis on a une question pour toi, Yari. Est-ce que tu mates Mamie Twink et le Grand JD? Non, pas du tout. Ah ben, je t'invite à le faire. C'est des youtubeurs francophones qui font justement de l'urban, et des fois aussi des reporters. Grand JD, je crois que c'est aussi des reporters de guerre, si je dis pas de bêtises. J'ai peut-être un petit doute. Mais en tout cas, ouais, c'est des chouettes. Il y a aussi du chouette contenu YouTube chez les francophones. Ça marche. Regarde. Bah, la bouche au pixel sur YouTube en francophone, tu connais? Tu ne m'aides pas pour ma productivité, c'est gentil. Ouais, mais il t'aide pour ta détente, et ça, c'est très bien aussi. pendant que tu travailles aussi, si pour la procrastination, moi, ce que je fais, c'est je coupe un maximum de distractions. Ça va être YouTube, non. Les mails que le matin ou que le soir. Ou matin et soir, mais en tout cas un moment défini qui fait qu'on va pas regarder 15 fois ses mails pour au final rien du tout. Mais ça te coupe dans ton élan quoi. Je sais pas si t'as encore ce syndrome là toi, de regarder tes mails pour voir si t'as fait une petite vente sur ArtStation. Ouais. Depuis que j'ai commencé à vendre, ouais, c'est tellement dangereux. Ah, je comprends. J'ai ça aussi, d'ailleurs petit plaisir, hein, ils ont enfin viré la somme due en janvier. Ouais. Donc ça fait un peu d'argent qui rentre. Oui, ça c'est super important par contre. Ça je crois que c'est toi qui l'as écrit. C'est le fait d'avoir une routine par jour et une routine du matin. Alors non, c'était toi qui l'as écrit à nouveau. C'est moi qui l'ai écrit ça. Ouais. Qui a bossé sur ce podcast, mon dieu. Wow. Mais bon, l'intitulé fait déjà office de question. Est-ce que tu as des routines dans ta journée ou dans ta semaine qui sont cycliques et que tu sais que tu vas t'y tenir dans la journée quoi. Ouais, après le boulot c'est le sport, ça c'est vraiment le truc, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'excuse, je vais à la salle après le boulot. C'est voilà, ouais. Et ça c'est systématique? Non, pas vraiment. Ok. Juste une petite coupure. Bonjour Martin, bienvenue sur le live. Normalement, il va plus durer très longtemps. C'était un membre du Drink and Draw, justement, qui vient depuis des années. Je sais pas si tu avais eu le plaisir de le croiser, Yarick. Merci, Martin Jean, bien sûr. Ah, ouais, je sais pas, t'es venu 2-3 fois. Oui. Peut-être qu'il y a des gens que tu ne sais pas. Ça va, c'est bien. Il se souvient de toi, Martin, génial. Ouais, moi, je l'adore, Martin. Il fait des super beaux croquis. Ah, c'est bon. Alors, on parle bien du même. Et du coup, ouais, moi, au niveau routine... je suis en train de m'en installer, c'est-à-dire que moi c'est pas encore le... Enfin si, il y avait la marche d'une heure tous les jours, dont je t'avais déjà parlé. Ouais. C'est devenu cyclique, hein, c'est juste pour dire d'aller marcher. Et il y a le fait de cuisiner tous les jours maintenant. Alors que je cuisinais pas du tout, maintenant ça fait 2 mois que je cuisine tous les jours. Alors tout le monde va pas apprécier ça, mais j'utilise un service qui s'appelle HelloFresh. Ah ouais. Ouais, c'est super pratique parce que ben justement je manque de temps pour aller faire des courses, etc. Je manque de temps pour trouver des idées de recettes. Et là, là il y a tout. On a toutes les épices, les ingrédients, tout est livré dans une petite caisse. Et puis il y a 5 recettes pour la semaine
à chaque fois très bon. Ça fait 2-3 semaines que j'utilise le service, j'en suis vraiment ravi. En tout cas, moi, ça m'enlève une épine du pied de pas savoir quoi manger, d'avoir des idées, et ça me met à la cuisine. Peut-être que plus tard, j'utiliserai plus ce service-là, mais voilà, petit aparté, mais savoir prendre soin de soi aussi, c'est bien manger, et c'est savoir prendre du temps pour soi sur d'autres choses que de dessiner aussi, quoi. Et tout ça pour dire quoi ? Je me suis un peu perdu. On parlait de la routine. Ah oui, la routine. Bah oui, du coup, voilà, c'est ça. C'est marcher, faire à manger, essayer d'avoir une heure ou deux pour des trucs perso, d'autres projets sur lesquels je suis en ce moment. La journée de travail, évidemment. Et passer du temps avec ma chérie, évidemment, ça c'est super important. Oh. Ah ouais, ça fait un petit peu triste de devoir dire il faut un emploi du temps, il faut mettre dans des cases, mais c'est important, voilà. Moi je sais pas faire autrement, je dois m'organiser, et du coup même le temps relation fait partie d'une petite case dans mon... comment dire ? Bah c'est important, c'est dans ta routine. Dans ma routine, j'en ai besoin. Ouais. Ouais, j'en ai vraiment, vraiment besoin de cette petite routine. Bah, ça fait l'impression qu'on construit quelque chose, quoi. Il y a, même si tu dois venir à, enfin, c'est pas de la monotonie. Faut pas confondre monotonie et routine, quoi. La routine, c'est d'avoir vraiment les principes fondamentaux de ta vie qui sont réguliers et qui fait que, justement, si on s'en écarte, on sent qu'on va vriller, il y a quelque chose qui va pas bien fonctionner. Il faut savoir se remettre sur les rails rapidement pour avoir l'impression aussi d'avancer, d'être bien structuré dans sa vie, quoi. Ouais, justement, moi, c'est possible que je vois quelqu'un en ce moment. C'est les moments où j'arrive à me détendre le plus. Et où là, je me sens pas mal de rien, où là, j'apprends le moment. C'est le moment où, ouais, j'arrive à me détendre à fond, quoi. Oui, c'est ça, c'est tellement singulier et différent. Enfin, les mots vont peut-être être mal choisis, mais... Voilà, là, il s'agit plus de nous, il s'agit pas de notre carrière, il s'agit d'une autre vie, tout simplement. Il faut la prendre en considération différemment de soi. Et du coup, c'est bien d'avoir justement ce canevas de temps qui est très très différent, parce qu'on peut vraiment se donner à 100% et très différemment que quand on pense au travail, parce qu'on y pense suffisamment. Ouais. En tout cas, dans la façon dont je l'ai dépeint aujourd'hui, entre le fait de dessiner tout le temps, en fait, que la plupart des problèmes... psychologiques qui peuvent survenir au travail, enfin, que moi j'ai subi, c'était à 80%, 90% à cause du dessin. Ça a cause autant de bien que de mauvais. Et donc d'avoir quand même quelqu'un avec qui partager ça et justement sortir de ça, c'est super important. Quoi. Alors pour les gens qui sont tout seuls, pas de problème, hein, on peut extrêmement bien s'en sortir sans ça aussi, évidemment. C'est juste qu'on va focaliser son attention sur d'autres choses. Mais du coup, je pense que la routine a encore d'autant plus sa place, puisque on n'a pas, on sait pas faire un break, une pause pour quelqu'un d'autre. Faut le faire que pour soi, et du coup, il faut le faire autrement. Du coup, je sais pas si c'est juste ça qui t'a lancé dans le sport, ou si le sport c'est aussi la rencontre. Il y a beaucoup de choses dans le sport finalement quand tu fais tes sessions. Ouais, le sport c'est une nécessité. Si je fais pas de sport, je suis stressé, je suis angoissé, je suis désagréable, nerveux, et donc c'est vraiment, si je le fais pas, ça va pas. Il y a rien qui va, donc c'est vraiment un moyen de trouver un équilibre, me dépenser, d'avoir l'impression d'accomplir quelque chose. C'est vraiment un élément central dans ma vie, en fait. Mm-hmm. Ah, je comprends. Mais écoute, si on n'était pas si loin, peut-être que je viendrais te mettre au tapis, mais... Ouais, on verra ça. Non, pas tout. Ah oui. Ça, peut-être que c'est toi qui l'as écrit. Alors, je te dis juste perfectionnisme. Le point suivant. Ouais, ça c'est moi. Ah, mon dieu, quand même. Je me suis pas trompé cette fois-ci. Vas-y, mais je te laisse en parler, du coup. Désolé, j'ai une gratte beaucoup. Hop, voilà, c'est fait. On l'aurait peut-être pas remarqué s'il avait pas dit, mais bon, ok. Mm-hmm. Donc le perfectionnisme, je me posais la question, ça, tout à l'heure ou hier, je sais plus. Si, est-ce que c'est nécessaire de poster, enfin, selon toi, est-ce que c'est nécessaire de poster tous les dessins que tu fais sur les réseaux sociaux, ou est-ce que tu vas vraiment poster que le meilleur, parce que tu peux avoir
tu peux avoir l'impression de ne pas être à la hauteur et de montrer une mauvaise image de toi si tu poses quelque chose que toi t'aimes bien peut-être, mais que ça va pas être bien reçu en fait. Je sais pas ce que t'en penses de ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai un ami, Étienne Herbinger, j'espère que je le dis bien. Ouais, j'avais vu son post. Qui a posté ça aujourd'hui, justement, il était de retour, ça faisait des mois qu'on n'avait plus vu ses créations. C'est un artiste incroyable, vraiment, il est juste trop bon, il fascine toujours tout le monde quand il montre ses créations. Et pourtant, ils ne sont pas toujours à la hauteur, ou en tout cas, il sent qu'il est trop perfectionniste avec son travail, je pense qu'il sait qu'il est bon quand même. Si tu entends ce message, t'es bon mec, calme, tu nous mets déjà tous à terre. Mais justement, lui, ce qui l'a motivé dans son travail, c'est ce perfectionnisme. On en avait déjà parlé à l'Art Weekend, on a eu cette chance. Et c'est marrant parce que moi, j'avais le discours tout à fait inverse. On avait pu discuter deux, trois, on était en train de se balader en forêt. Et moi, je disais justement, moi, de mon côté, en tout cas, à ce moment-là, ma philosophie, c'était je crée parce que j'ai envie de créer, je poste tout ce que je fais. J'attends pas l'approbation des gens. Je l'ai attendu, pendant longtemps, je te parlais encore la dernière fois de notoriété, de ce besoin de notoriété qui m'a fait beaucoup de mal, parce que c'est vrai que j'en parlais pas dans le côté mental, mais le regard des autres artistes sur soi, le regard des gens sur notre travail, il nous affecte plus qu'on ne pourrait le penser. Alors il y a des gens qui vont dire je m'en fous, mais qui s'en foutent pas du tout. Il y a des gens qui disent ça m'intéresse et en fait ça les intéresse pas. Voilà. Il y a vraiment toutes les mentalités et philosophies possibles à propos de ce sujet. Et moi ça m'a beaucoup affecté très longtemps parce que je voulais être reconnu par mes pairs, par les autres artistes. Et j'avais toujours l'impression de pas trouver ma place quand j'allais dans des réseaux, dans des groupes. J'arrivais souvent à me hisser dans la modération, dans l'administration. Et pour autant j'avais toujours l'impression d'être entouré mais seul. Je sais pas si tu vois un peu ce genre de sensation de pas sentir à ta place en fait, tout simplement. Ouais. De pas sentir compris en fait. Ouais, c'est ça, pas se sentir compris. Mais même au-delà de la compréhension, c'est plus comme tu disais, d'avoir l'impression que ton travail plaît pas, quoi. J'ai beau avoir posté au moins des milliers de dessins, j'en suis convaincu sur ces dernières années, je suis pas reconnu pour autant, quoi. Alors est-ce que c'est ma stratégie de communication qui est pas bonne? Certainement. Autant je suis très présent sur les réseaux, mais en même temps j'y suis pas. Tu vois, c'est un peu le cul entre les deux chaises. Mais c'est parce que t'as pas assez montré ton boule, c'est pour ça. Ouais, je sais bien. Je fais de mon mieux pourtant. Ouais. J'aurais peut-être dû. Peut-être qu'il faut que je me mette à faire de la muscu, puis que je me mette torse nu à côté de mon painting. Je vais y penser. Peut-être une résolution pour 2022. Comment ? Je pense que ça vend vraiment en vrai, ça. Ça fonctionne. Ah ouais, imagine le travail, ouais. Je préfère dessiner quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans le chat en attendant? Est-ce que tout le monde veut mettre... Qu'est-ce que vous dites de l'idée de se mettre torse nu entre mecs, évidemment? Dans une piscine. Dans une piscine et de faire un calendrier. les dieux du dessin. Est-ce que vous pensez que ça va bien vendre sur les réseaux sociaux? Ouais. On veut voir le boule. Ah ben voilà. Non. J'en doute pas une seconde. Les vêtements, c'est surfait. On est d'accord. Autant en parler deux secondes. Toi, tu le fais peut-être pas. Peut-être pas. Mais moi, j'étais arrivé tellement à un niveau d'abandon. Mais attends, tu vas voir. Moi, j'étais arrivé à tellement un niveau d'abandon qu'un de mes tout premiers contrats freelance à distance, moi, j'étais en caleçon. Ah, ouais, ok. Enfin, moi, c'était les joies du freelance. Oh, tu disais toujours ça ironiquement, mais je me dis, moi, je veux le faire. C'est l'été, il fait chaud, on s'en fout, quoi. Du coup, c'était vraiment d'abandon, quoi. voilà. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tant qu'on parle de boule, oui, mais pas en caleçon. Voilà. Eh ben, ça arrive, sachez-le. Vous ne savez pas si vous me commanditez quelque chose, mais peut-être que je ne suis pas en tenue décente. Ok. J'y penserai la prochaine fois qu'on parle sur Discord. C'est pour ça que je mets toujours la webcam avec toi. Comme ça, t'es sûr. J'ai pas trouvé, ouais. Quoi. Mais t'as juste un t-shirt, t'as rien en dessous. T'es possible. Il m'a grillé. Mais du coup, ouais, en tout cas, pour cette question de poster sur les réseaux et tout, je sais pas, toi, de ton côté, comment toi tu perçois le truc? Toi, j'ai l'impression que c'est plus les bons travaux quand même, non?
Ouais, je poste un peu tout ce que je fais. J'ai jamais posté genre mes... Enfin, ou alors très peu mes études et les petits croquis. J'ai un pantalon. Il y avait la question qui était posée dans le chat. Ouais, ouais, du coup, non, je pense que je poste à peu près tout ce que je fais. Mm-hmm. Mais ouais, je me suis toujours. Je me pose souvent la question, est-ce que je devrais pas trier plus et aussi le fait de. Enfin, j'avais un pote justement qui était avec moi en bachelier et je lui avais dit bah, que je postais mes trucs sur Instagram et il disait ouais, moi je pourrais pas faire ça parce que. Enfin, je suis pas à la hauteur, je suis pas. Je suis pas encore assez bon et tout. Et je lui disais mais. Comment tu sais quand tu seras assez bon ou pas pour poster Ah ouais. Ouais, ça arrive souvent ça. Ouais, et du coup c'est une question que je me pose quand même, genre à partir de quel moment tu peux te permettre en fait de poster sur les réseaux et en même temps il y a pas de règles, c'est à toi de choisir et voilà, c'est, je sais pas, c'est un... Non, je comprends, c'est vrai que j'ai eu une période comme ça parce que moi je suis arrivé très tard sur Instagram, bon maintenant ça fait quand même quelques années, mais je crois que c'était 2017 et Instagram ça cartonnait déjà depuis 2-3 ans. Donc je suis déjà arrivé tard parce que j'avais aussi cette sensation de ne pas faire des choses suffisamment bonnes que pour qu'elles soient postées. Et c'est pour ça qu'on est arrivé un peu le ras-le-bol et le fait de le faire, point, et puis de pas me soucier. Et il y a pas longtemps, ouais. C'est Tyler Edlin, dont je parle assez souvent, qui disait que lui, ce qu'il avait remarqué aussi, c'est qu'à un moment, il a eu son compte Instagram qui s'est fait suspendre pour X raisons. Il a pas pu le récupérer, il a dû en refonder un, et il disait, une leçon que moi j'ai apprise ici, j'avais réussi à fonder une communauté de 47 000 personnes, ou 70 000, je sais plus, enfin, il avait beaucoup. Il a dû repartir à zéro, et ce qu'il fait, c'est que, il se dit, Instagram, c'est pas un portfolio, quoi. Les gens, ils y vont pour tout un tas de raisons, et donc, il faut être libre de poster plus que des créations terminées, parce que ce qui est important sur Instagram, c'est essentiellement la régularité. Et du coup, je pense que chaque réseau a sa fonctionnalité. Et donc, oui, Artstation, tu montres que les pièces qui doivent te faire engager. Pourtant, Instagram, ça doit être un peu le complément pour montrer un petit peu qui tu es en dehors du travail, je pense. Et donc, pouvoir montrer la productivité potentiellement et des essais techniques artistiques, des choses réussies, des choses ratées, c'est pas grave, quoi. Moi, je m'évite de mettre des photos, par exemple. J'en ai mis une fois, quand j'étais au Cambodge, je crois. Juste parce que ça faisait joli et artistique, mais au final, même mettre des photos perso, enfin des photos qui sont liées à des événements artistiques, des trucs comme ça, ça a tout à fait sa place, je pense, sur des réseaux comme Instagram, quoi. Je pense qu'il faut pas être trop fermé là-dessus, quoi. Ouais. Alors ici, et c'est drôle parce qu'on revient justement au syndrome de l'imposteur à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Je le ressens un petit peu à ce niveau-là, par contre, en postant sur les réseaux, quoi. Ouais, tout à fait. C'est tout est lié hein, finalement, c'est toujours les mêmes rengaines quoi. Alors ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit ça? Un grand maître, enfin 1m20 peut-être, a dit fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Du coup, si pas d'essai, je poste tout perso. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, parce que les gens aiment bien aussi voir le behind the scene, et justement je pense que Instagram c'est la plateforme idéale pour montrer que un artiste doit faire plein de choses en fait et qu'il y a beaucoup de travail derrière une œuvre et montrer plusieurs étapes. Déjà rien que ça, c'est super. Hein. Ouais, mais c'est ça le truc que je me pose comme question, c'est parfois sur tes croquis, l'anatomie elle peut être un peu dégueu, les proportions peuvent être un petit peu dégueu, et il y a la peur que les gens se basent là-dessus, et croire que le reste de ton travail va être aussi, on va avoir les mêmes erreurs. Oui, c'est vrai, ah. il peut y avoir ça, moi c'est tout le temps dégueu, donc à partir du moment je poste plus, quoi. C'est vrai. Ah, mais c'est vrai. De toute façon, nul n'est parfait. On sait très bien que, si on se compare, ça veut dire qu'on a déjà un point de référence à là où on veut arriver. Et ça veut dire qu'on sait qu'on n'y est pas, tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, on reste juste bloqué, quoi. Et on n'est jamais très satisfait très longtemps d'un travail, donc ça n'a pas vraiment d'importance, quoi. Ce sera noyé par les autres créations qui vont suivre. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre dans le chat? On va essayer de vous faire participer un petit peu, quand même. Les oreilles qui postent tout. Tiens, oui, t'as peut-être plus de visibilité sur le chat que moi, parce que moi, c'est tout petit chez moi. Ok, ouais, je peux lire. Hein. Ouais. Paul les oreilles qui postent tout et qui regrette après d'avoir fait. Mais il dit que ça met une pression aussi, et ça, c'est vrai, ça met une pression de rester constant et du fait de se dire que les gens vont voir ce que tu vas faire, donc il faut que la qualité soit là, quoi. Mm-hmm.
Olivier Krakus qui dit que perso, rien de rien, je ne regrette rien. Et pourtant, je suis un piètre artiste. Et Elaïs, comment on dit ? Elaïs. Désolé Marion. la même chose que Paul aux oreilles au départ. Maintenant, je poste plus du tout. Je compte m'y remettre cette année. Vas-y. Ah bah j'espère bien, oui, il faut y aller. Hein. Ouais. On attend que ça de voir ce que tu fais. Hein. On sait bien qu'il y a plein de belles choses qui se font, mais nous on veut voir du perso aussi, du travail perso. Ouais. La pêche au thon, pour ou contre ? Pour ! Fin pour. Du débat. Non, il n'y a pas... Ah. Pour aussi ? Ah, c'est pour ça qu'on s'est trouvé, c'est pour ça que ça marche bien. Oh là là. Ça c'est quand même une réussite, ça. Tu vois, c'est quand il y a quelque chose qui match, il y a cette petite musique qui pointe le bout de son nez. Ah mais non. Pêche au thon, c'est des bières. Les bières. Yes. Et ouais, pêche au thon, quoi. C'est une spécialité en Belgique, donc c'est peut-être pour ça que le reste du monde a du mal à comprendre, mais notre chocolat est bon, alors pourquoi pas nos pêches ? Je leur ai fait ça à l'Art Weekend. Enfin, ça fait deux sessions d'Art Weekend où chacun vient avec des petits plats, si tu veux, et pour la première soirée, et on mange tous ce que tout le monde a apporté. Désolé, mon nez, là, c'est plus possible. Quoi. Et du coup, ouais, on mange tous la spécialité de chacun, quoi. On a le kunyaman qu'on nous ramène, qui est 99,9% de beurre, par exemple, qui a fait de grands débats. Voilà, on apprécie ou on n'apprécie pas. Et puis les pêches au thon aussi fait pas mal de d'émules quand j'avais ramené ça. Finalement, tout le monde a apprécié. Je savais pas qu'il y avait un débat sur les pêches au thon. Ça me paraît tellement naturel que je savais pas. Mais oui, c'est ça. Chez nous, c'est naturel, c'est vrai. Bon, après, il y a un débat beaucoup plus houleux sur lequel, mais là, ça devient politique. C'est les ananas sur la pizza. Ouais. Alors, je pense que je sais pas si on va être d'accord ou pas. Ah, je sais pas, vas-y, lance-toi, on verra si y a la petite musique ou pas. Bon, j'en mets. Yeah yes. Yes. Allez. C'est deux réussites incroyables. Oui. Ouais, c'est bon. C'était le destin, mec. C'est ça. Oui, Valentin, on pense à toi. Oui, voilà, c'est Valentin qui nous ramène le kunyaman pendant l'Art Weekend. Bientôt la raclette à l'ananas. Désolé, on est un peu décalé sur le chat. Vous avez dit tellement de trucs, les gars, qu'on y va petit à petit. On vous fait, on participe avec vous. C'est du live. Ouais, donc raclette ananas. Pourquoi pas ? Moi, je dis ça se tente. Fait chauffer un peu l'ananas sur la plaque. Le sucré salé, j'adore. En fait, c'est surtout ça. Quoi, ouais, okay. À fond. Le débat, c'est non, clairement, mais non. La modération, il y a Krakus à virer du chat, s'il vous plaît. Chocolatine ou pain au chocolat ? Alors, chez nous, on n'a pas le débat. Moi, je m'en fous parce que ça reste la même chose et je les mange. Donc, voilà. Ah, moi, je mange plus de chocolatine, je pense, quand je suis dans le sud, et je mange plus de pain au chocolat quand je suis dans le nord. C'est pas la même chose. Mais pour moi, c'est. Enfin, c'est juste un oui, je t'inquiète, je dis. Là, je suis en train de dire une bêtise. Où tu sors ? Voilà, mec, c'est comme ça. Ok. On va pas commencer à jouer avec mes couilles. Hein. Oh là là, on devient vulgaire. Ouais. Mais c'est exactement. je pense pas que je l'ai, quoi. Non, il va falloir que je le rajoute sur ma petite. Ah, je suis désolé, je l'ai pas. Tu te laisses aller, là. Oui, je me laisse un peu aller. Et ça suffit maintenant. Bon, après cette parenthèse d'humour, de participation avec le chat, il y a juste deux derniers petits sujets. Après, on va clore là-dessus parce que ça fait deux belles heures que nous sommes avec vous. Le problème physique. Alors, j'avais pas. Il y en a deux en fait. Ils sont relativement simples. Le premier, ça va être le poignet. On a parlé du canal carpien au début de la vidéo. Il n'y a pas que le syndrome du canal carpien qui peut survenir. En fait, le syndrome du canal carpien, c'est quoi ? Moi, j'ai vite été regardé pour pouvoir vous dire un petit peu. En fait, il y a un canal ici. Il y a un petit tube auquel sont reliés tout un tas de choses, comme les tendons, etc. Et il y a une sorte de tendon. C'est pas vraiment un tendon, c'est une membrane, mais qui vient refermer ce canal carpien.
et les différents tendons de la main. Et il s'avère que quand on dessine, on appuie dessus. Et donc la compression fait que le sang va moins passer au niveau des doigts et ça va commencer à créer des douleurs et des fourmillements dans les mains. Et donc le syndrome du canard carpien, c'est qu'à force d'utiliser sa main de façon statique et appuyée sur certains supports, c'est beaucoup dans les manuels, dans les métiers où le mouvement est à répétition, c'est toujours le même. Je pense aux chaînes de production, mais nous en art, le fait d'être toujours posé sur le papier et sur la tablette, c'est exactement ce qui se fait. Quand on n'a pas la bonne position, on va vraiment avoir une pression très forte qui se fait au niveau du poignet, et du coup le canal va être compressé, et du coup on va commencer à avoir des problèmes dans le reste de la main. Et il existe des exercices pour prévenir ce genre de problème ou atténuer quand ça commence à vous arriver. Ça va être des massages, ça va être d'échauffer sa main avant de travailler. Je vous invite à regarder plutôt sur internet des vidéos qui le feront bien mieux que moi, mais en tout cas moi à chaque fois avant de commencer une journée de travail, je vais juste des petits mouvements comme ça qui vont échauffer le poignet pour éviter d'avoir des douleurs au niveau du poignet. Et puis vous avez aussi des petits exercices pour pouvoir détendre le canal carpien. Ça c'est hyper important. Après, quand vous êtes sur un bureau avec une tablette comme moi j'ai qui est en plus ou moins, 25-30 degrés d'inclinaison, ben ça va. Je pose pas trop ma main. Je peux faire des grands mouvements, des grandes amplitudes de mouvements, et c'est beaucoup plus agréable pour dessiner, et du coup on se repose beaucoup moins sur le canal. Mais pour ceux qui vont travailler avec une tablette Intuos, comme Yari par exemple, et bien là il faut un petit peu penser le positionnement de son bras, comme lorsque vous êtes en train de juste d'écrire sur un ordinateur. Les positions de bureau classiques où il faut avoir le regard bien fixe face à l'écran et son bras reposé sur le poignet de sa chaise pour que ça forme un angle droit en fait entre son bras et son épaule. En tout cas, l'avant-bras et la zone, j'oublie toujours le terme, tu vois, t'as la zone et épaule deltoïde, mais je sais jamais comment la nommer quand t'as l'avant-bras et puis tu as l'arrière-bras. Ouais. Bah, le biceps, ah. Quoi. Ouais, ben tu vois, ben, ça a une partie de bras, quoi. J'oublie toujours, je sais pas, ouais. S'il y a un terme, faut nous l'écrire. Mais toujours est-il que... Le haut du bras, voilà. et du coup, bah, ces positions de bureau extrêmement classiques, elles sont importantes autant quand vous êtes en train d'utiliser une souris, mais qu'une tablette graphique Intuos, c'est la même attitude, la même position à tenir. Voilà. Est-ce que tu savais tout ça ? Non. Mais du coup, moi, j'ai une Intuos et je la mets pas sur mon bureau, je la mets sur mes. Du coup, j'ai. Ah ouais. Enfin, j'ai pas le. C'est un peu plus agréable. Ok. Voilà. On est en train de nous dire des bêtises là. Qu'est-ce que je suis ouais, c'est des gamins, c'est des gamins. Ok, sans commentaire. De toute façon, cette fois-ci, pour cette vidéo, les commentaires sont sur la vidéo. Alors attention, tout le monde voit ce que vous êtes en train de faire, même en rediffusion. Ouais. Ok, ça va, y a pas de soucis. En vrai. Toutes les conneries d'avant, ça. C'est toutes les conneries d'avant. du coup, la main. Donc ça, tu savais pas. Mais voilà, fais-y attention. Faites-y, attention. Parce que c'est hyper important. Mais votre main, c'est, comme je le disais au début de vidéo, c'est votre outil de travail. Ça va vous suivre toute votre vie. Et puis, les problèmes d'articulation, ça arrive déjà rien qu'avec la vieillesse. Si on n'y prête pas attention tout le long avant d'arriver à ce stade fatidique, bah ça va arriver plus vite que prévu et ça peut être extrêmement coûteux puisque si vous n'êtes plus en mesure d'exercer, ça va un petit peu limiter vos possibilités évidemment. Et ensuite, le deuxième problème le plus important physique de l'artiste, en dehors du fait de rester assis, de prendre de la masse et d'avoir des problèmes de cœur, donc il faut quand même faire du sport, c'est super important, mais le vrai gros problème c'est le dos. Et ce que je vous invite à tous à avoir, c'est la position, comme on peut voir, les positions ergonomiques que vous allez regarder sur internet, elles sont les mêmes pour un artiste, même si la tablette, je vous invite, par exemple, imaginez vous avez une Cintiq, une tablette à écran, peu importe, les Huion, les XP Pen font très bien l'affaire aussi, faites en sorte de pouvoir l'incliner vers vous. Souvent les inclinaisons de base des tablettes sont pas suffisantes,
C'est très mauvais de commencer à se pencher sur sa tablette, de faire travailler la nuque, le haut du dos, ça va vous le bousiller extrêmement vite. Moi j'ai déjà eu des douleurs incroyables au niveau du dos. Médecin, tout le team, j'avais vraiment besoin de m'occuper de ça. Sinon j'arrêtais de travailler en fait, tout simplement. Maintenant c'est vraiment position droite, regardez l'angle 35 degrés vers le bas. C'est un peu chiant, hein, il faut pas se mentir, mais au moins à la fin de la journée je peux me lever et j'ai pas mal, quoi. Donc le dos c'est super important, une bonne chaise. Alors je vais parler d'une chaise qui coûte extrêmement cher, ça va sans doute faire sourciller tout le monde et Yari y compris. Il y a les chaises qui sont reconnues mondialement comme étant parmi les meilleures, c'est pas les seules évidemment, moi j'ai pas le listing, mais j'envisage bientôt d'acheter une Herman Miller. Herman Miller, c'est donc parmi les meilleures chaises de bureau. Elles sont garanties de 12 ans jusqu'à 24 heures d'utilisation. Donc c'est vraiment dans leur plein potentiel. Et donc, au niveau de l'usure de la chaise, etc. Bon, après, on est sur des prix entre 12 et 15 000 euros la chaise. Et plus encore. Voilà, je savais que ça allait faire sourciller. Ah. Wow. Mais oui, mais quand c'est ton métier, pour les 35 années à venir, 40 années à venir, que tu fais ça tous les jours, que tes deux seuls outils, c'est ta main et ton dos, je t'assure que c'est pas si cher comparativement à ce que ça t'apporte comme bienfait et la maintenir dans ta vie. Je prends un autre exemple, parce que je suis dans ce cas de figure, j'ai bidouillé un bureau, on a fait un bureau ici de 3-4 mètres avec ma compagne, c'est tout bête, hein, c'est des planches en bois Ikea avec une armoire et des étaux, tu vois. Beaucoup de gens font ça quand ils ont vraiment beaucoup d'espace, c'est vraiment des planches de 1m50 je crois, ou de presque 2m, et puis voilà, on les a juste les unes à côté des autres, ça fait pile poil la taille de notre mur. Mais dessus je me retrouve avec du matos pour presque 10 000 euros de valeur sur une planche à 100 euros. Ouais. Le problème il est où? Le problème il est que cette table elle commence déjà à se courber, je le vois, ça me fait sourciller tous les jours, et je me dis bon, il est vraiment temps, avant que ça n'explose, avant que je ne pleure en voyant mon matériel à terre, d'investir dans du bon matos. Donc la chaise, il fait c'est parce que ça me fait penser à la chaise dans laquelle je dois investir aussi pour mon petit dos. Mais investir dans votre bureau, c'est super important aussi, parce que eh bien votre matos, il coûte cher, il faut l'entretenir. Quand vous achetez une tablette, je sais pas, Cintiq à 2000 balles, alors c'est cher, mais là encore, par rapport à un photographe qui doit payer des appareils photo à 3-4 000 euros, plus objectif à 10, mais enfin presque 10 000 euros de matos juste pour sa tablette graphique, enfin pour l'équivalent d'une tablette graphique chez nous. Finalement, on n'est pas le métier le plus cher non plus. Faut relativiser là-dessus. Donc, acheter un bon bureau, c'est très important aussi. Parce que c'est là-dessus que reposent tous vos investissements. Et en parlant de bureau, il y a ce dernier point. C'est les bureaux qui vous permettent de travailler debout. Est-ce que ça te donne envie, toi, Yari? Est-ce que t'as déjà vu ça? Oui. Ouais. Bah, écoute, j'ai jamais essayé. Donc, pourquoi pas? Ouais, moi, je suis curieux aussi. Il y avait un gars chez Fishing Cactus. Je sais pas s'il était encore là quand toi, tu était en stage chez eux, un développeur qui travaillait toujours debout. Il avait justement un bureau aménagé, c'était un développeur, là, c'était un des piliers, c'est Ramsès, je sais pas s'il était encore... Non, je pense pas. Enfin, peu importe, en tout cas, voilà, il avait adopté ça avant que ça devienne un peu le phénomène à la mode, et il n'en disait que des bienfaits, quoi, pour son dos, d'être bien posé. Je pense que pour les artistes, c'est bien aussi de pouvoir de temps en temps se mettre dans une position debout, s'étirer un petit peu, travailler comme ça, et puis se remettre assis, de pouvoir jongler avec les deux, puisque c'est le principe de ces tables-là. Vous avez un petit clavier, des petites touches qui vous permettent de monter ou de descendre de votre bureau, quoi. Donc, je vais pas donner des bienfaits là-dessus, parce que personnellement je l'utilise pas encore, mais je l'envisage dans les années qui viennent. Mais initialement c'est vraiment le dos et votre position de la main qui sont les plus importantes, en dehors des problèmes de santé essentiellement psychiques dont on a parlé tout le long de ce live. Moi de mon côté, ce que je préconise, c'est souvent les problèmes de dos, ça vient de muscles dans le bas du dos qui sont pas assez musclés ou qui sont juste tendus. Donc c'est des simples exercices pour soit pour s'assouplir, parce que quand on est tendu, ben là ça peut vraiment créer beaucoup de problèmes, ou alors pour renforcer, enfin les deux en fait, il faut faire les deux, assouplir et renforcer les muscles qui sont dans le bas du dos, parce que c'est super important, c'est là que c'est vraiment le milieu du corps, et c'est là que enfin, c'est juste super important. Non, c'est donc, vrai. Voilà. Ça prend pas longtemps, et c'est vraiment c'est crucial, surtout qu'on reste assis toute la journée, quoi.
Et là, tu parles d'échauffement, mais même en termes d'exercice, bon, on a parlé de devoir se dépenser, les calories, machin, tout ça. Mais même en termes d'exercice, il y avait vraiment un groupe de muscles que vous devriez exercer. Alors moi, je le fais pas assez, mais je l'ai fait tout un temps et je sentais que là, ça allait bien par rapport à aujourd'hui où j'en fais plus du tout. C'est de muscler tout le dos, quoi. S'il y a moyen de faire des efforts physiques particuliers dans votre moi et qu'il faut s'y forcer, c'est le dos, c'est faire la planche, c'est faire aussi des abdos, c'est aller nager, enfin c'est des choses qui peuvent vraiment vous travailler, juste le dos, ça va vous maintenir votre colonne vertébrale, et à défaut d'avoir une extrêmement bonne chaise, ça va déjà faire un peu plus de travail, quoi. Alors faut pas se reposer que là-dessus, quoi. Alors on nous dit, j'espère qu'à ce prix-là, les chaises dessinent à ta place au moins. Bah malheureusement, non. Mais encore une fois, c'est vraiment du super solide. Il y a des gens 12 ans après qui leur chaise elle est encore intacte. Est-ce que tu peux en dire autant de chaises gaming que tu vas payer 500€ et qui, au bout de 5 ans, bah, le cuir est démoli. S'il y a un truc qui est déchiré, il y a un truc qui va pas, une pièce qui va pas, pendant les 12 ans, ils viennent te la remplacer, ils te remplacent ta chaise, quoi. C'est quand même incroyable. Ça, oui, on a le service qu'on a avec le prix de la chaise. Et encore une fois, ça paraît cher, mais si tu mets ça sur toute ta carrière, même si sa durée de vie de garantie est de 12 ans et que sa durée de vie moyenne pourrait être potentiellement de 20 ans, bah tu divises ça sur 20 ans, c'est pas tant que ça, quoi. Ça te fait moins de 100€ par mois pour t'occuper, enfin moins de 100€ par an pour t'occuper de ton dos et pour éviter d'avoir à payer des milliers et des milliers d'euros d'ostéopathes pour venir s'occuper de ton dos, quoi. Faut toujours relativiser et voir sur le long terme, quoi. Encore un petit peu, si tu soulèves des choses dans le chat, Yari, n'hésite pas, parce que moi j'essaie de mettre les yeux dessus. Je voulais avant. Alors il y a Olivier qui te clash sur le fait que t'oses appeler une planche une table. Justement, non, ouais, c'est ça. Mais bon, enfin, qu'est-ce qu'on a là. Et Martin a acheté à mon avis, il parle de la table qui se met pour travailler debout. Ouais. Donc il a dit que c'était pas mal. C'est pas mal, ok. Mais Martin qui est justement un sportif, et il est en mesure de pouvoir voir si c'est justement ça se maintient bien, qu'il est confortable quand il travaille là-dessus. Hein. Ça c'est une évidence. Alors ouais, bon après il y a eu tout le débat sur la détente. Du canal carpien, bien sûr, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est assez explicite. Bon, on va. Tu veux m'expliquer, s'il te plaît? T'es pas assez grand, c'est pour ça. Toi, quand il disait que t'étais l'enfant, ouais. Ouais. Pas tard. Hein. Ok, bon, en tout cas, ces tables-là sont très bien, c'est ce qu'on nous confirme ici. Bon, bah, écoutez, moi, j'ai pas plus à dire. Est-ce que Yari, t'as des choses à rajouter, en dehors de la bise, évidemment? C'était un chouette épisode. Ouais, je trouvais que c'était super important d'en parler. On n'a pas pu, évidemment, parler de tout. Il y a peut-être des sujets sur lesquels on reviendra. D'ailleurs, si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on fasse un épisode, bah, il ne faut pas hésiter à nous laisser des petits commentaires ici ou sur le commentaire de la vidéo. C'est fait pour ça. Et nous, ça nous inspire aussi. On a évidemment déjà toute une liste. On a des idées d'invités, mais il faut aussi qu'ils puissent se libérer. Par exemple, il y avait les prochains invités, enfin, ce sera peut-être pas les premiers, du coup, finalement. Pour parler de networking, de toute façon, voilà, c'est pas un secret. On va inviter Jessica et Bastien, qui gèrent l'Art Weekend. On va parler avec eux de networking, de l'importance de monter un networking pour les métiers que l'on exerce, comment s'y prendre, qu'est-ce qui existe, etc. Alors ça devait être le prochain épisode, mais évidemment, pour l'instant, ces gens-là ont des emplois du temps de ministre, et on les comprend tout à fait, et donc ce sera sans doute pour le mois de février, sans date encore de réservée, et donc pour le prochain épisode, soit on aura un invité, soit nous n'en aurons pas encore, mais voilà. Que ce soit avec ou sans, on a de quoi, on a de la réserve. Mais si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. Voilà. Écoutez, moi, je vous remercie. Je remercie tout le monde d'avoir été présent. Ouais, c'était cool que vous soyez participatif dans le chat.
Ouais, c'est ça qu'on veut faire aussi, c'est qu'il il existe beaucoup de, on le disait hein, déjà, hein, beaucoup d'interviews, beaucoup de formats podcast au niveau de l'art, enfin beaucoup, c'est un grand boom, en tout cas il existe des structures, mais bon, c'est souvent différé, et pour des raisons évidentes. Là, ça a une âme, ça vit, on peut faire des petits breaks aussi, c'est important, pour pouvoir se détendre et rigoler un peu, et ou apporter évidemment essentiellement un complément d'information. Voilà, donc on vous attend pour le prochain épisode. Dans 2 semaines, on reste régulier, on va faire en sorte, en tout cas, s'il y a un pépin quelconque, vous le saurez sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on n'est pas sur Facebook parce qu'on n'est quand même pas si vieux que ça, non, c'est juste que ça marche pas, le reach il est très très bas, alors que sur Instagram, vous pouvez venir au moins faire un petit check, et sur Twitter également, on spamme pas, donc ça va. Et pour ce qui est de Spotify, on avait dit qu'on allait se trouver sur cette plateforme, et bien comme elle est essentiellement visuelle, finalement, pour l'instant, non. Il sera toujours temps de le faire plus tard, mais ça n'a pas trop de sens, je pense. Vas-y. T'as dit que c'était essentiellement visuel Spotify, mais c'est essentiellement... Ce que je voulais dire, c'est que... Oui, mais c'est, je m'en mêle, mais notre podcast est essentiellement... Enfin, il est voilà. Également visuel. Pas pour celui-ci, pas pour cet épisode-ci, mais en tout cas, il l'est souvent. Il le sera souvent. Et donc, ouais, Spotify, c'est certainement pas la meilleure plateforme pour tout ça. Donc, on préfère laisser des rediffusions pendant 2-3 semaines sur Twitch. Et sur YouTube, évidemment, où là, vous pouvez directement interagir avec la vidéo et c'est beaucoup plus intéressant pour l'archivage. Voilà. Écoutez, on vous invite toujours à vous abonner, à partager, parce que surtout des épisodes comme celui-ci, c'est important pour les plus jeunes qui commencent, ceux qui y sont et qui n'y pensent tout simplement pas, on n'est pas toujours éveillé au sujet. Et puis pour le référencement, ça fait toujours du bien, évidemment, d'avoir des nouvelles têtes pour les prochains épisodes qui vont parler de plein de types de sujets différents, quoi. Et qui soient déjà au courant pour le prochain live et venir dire des bêtises avec vous dans le chat, évidemment. Voilà, moi c'était tout. Je m'en vais, je vous fais la bise. Moi aussi je vous fais la bise. On vous donne rendez-vous en live sur Twitch le 19 janvier à 21h pour le prochain épisode. Tchuss.